Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui, dans le fond, on va bien, merci. Bah, nous, on va bien. Ok, bah, je vais bien aussi, ça C'est va. cool. Attends, je crois que ta voix est trop forte dans ma balance des sons. T'es où? Tu es. Ah non, tu es à 100%, non, ton C'est moi. micro est de haute qualité en fait. Je suis proche du micro, Ne à touche pas, quelques ne touche centimètres. pas à ton micro, Nayonès, c'est à moi de m'adapter. Ne tente Laisse le pas. sage toucher au bouton. C'est Alors, ça. c'est un micro qui est souple. Et qui est branché au casque. Donc, des fois, il peut être plus proche, plus loin, Il est plus très bien. proche, plus proche. Il est très Voilà. bien. Il est très bien, il est très bien. Alors, Christella, je devine que tu veuilles jouer avec nous, je t'invite. Ouais. Je suis déjà là, ouais. Tu ne sais oui. Attends, je viens d'installer le jeu. Ah, tu l'as Tu réinstallé. l'avais Oh la vache. désinstallé? Oui, ah, vite, hein, Alors, je trouve qu'il a un Alors, on va potentiel t'attendre énorme. C'est pour ça que j'ai investi dedans, d'ailleurs. J'y reviendrai au 1er janvier prochain, mais c'est pour ça que j'ai investi dedans. Bah j'ai perdu ma veste. Bah non. Ouais, il faut que tu repartes dans Inventory pour qu'ils te remettent tout. Ouais, on va refaire ta tenue. Oh la Merde, il a pas. vache! J'ai dévoré pas mal de trucs. Non, les chaussons poissons me font très rire. J'aime beaucoup les Ah, chaussons poissons. ce qui perturbe, c'est que Christella est un monsieur. Alors, ils ont pas mis de femme? Bah non. Ah, c'est vrai, j'ai pas fait Alors. gaffe. Ni jeu de caissier tout à l'heure, c'était aussi un homme. Pareil, ouais. Oh, je peux me mettre tout en bleu. Oh, c'est trop bizarre. Oh la vache. C'est trop bizarre tout en bleu. Ça fait un peu Là, hôpital, quoi. trop. On peut buter. Ah, On dirait les chaussons tissus là qu'on met, les cuir chaussures pour pas salir. ouais. Catering, c'est quoi? Ah bah oui, c'est les quartiers pour les défis et avoir des objets Allez. bonus. C'est pas pour moi Elle a pour disparu, le moment, changé. au moins. Elle a disparu. Ah, Après, voilà, j'ai charge. pas mis la bonne image. Oui. Oui, pardon, merci Tomouf. Au moment où je me rends compte, tu me mets la remarque. Merci Tomouf. J'ai un Ah, chat. faut que tu me réinvites le tâche. Voilà. Ah, il y a eu double. Il fait du bruit. Hop là, hop, ma fenêtre de. S'il regarde. Oh la vache, je rentre. Voilà. Ah. C'est bien. Ah, il y a la Attends, torche. Je change mes touches. Oui, je sais pas. Ah oui, c'est vrai, il a peut-être pas gardé les touches. Bah oui, Ah, est-ce ouais. qu'on est. Il a mis X, cet idiot-là, pour parler poliment. Ouais, medium, low. Moi, on aura de la fluidité en low-low. Là, 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 Moi. là. Ah oui, il a perdu les Là, touches, là, moi là. aussi, tu as raison. Bon, après, je pense que c'est bon. Ouais, Azerty, QWERTY, ouais. Ah. Ah J'ai là un là là petit là qui là. se met Alors, du devant. coup, on fait quel niveau vu que t'as tous les niveaux? Oui, c'est beau, hein. C'est magnifique d'avoir des oreillers et tout. C'est la richesse, monsieur, c'est une scène. On n'a pas fait de quel? On n'a encore jamais fait l'astéroïde dans Et l'espace. la boîte de nuit, si, ah, si, non, si on l'a fait la boîte de Si nuit. on l'avait faite. D'ailleurs, je pense avoir mis, comme j'ai mis à jour mes pilotes, j'avais fait un test en solo. Je pense qu'il n'y aura plus le problème de 10 images secondes. Mais, d'ailleurs, attendez, en allant flâner sur le Discord des développeurs du jeu, c'est très intéressant. Il y en a même qui se plaignent dans la discothèque, là, le fameux niveau. Il y a un joueur qui avait la chance d'avoir une GeForce 3000 quelque chose, et il avait 10 images secondes. Donc c'est pas un problème de puissance de calcul, c'est un problème de conception du niveau. Ils ont dû commettre une bourde dans la conception 3D, les développeurs, et il faut qu'ils corrigent leur copie. Parce que vous avez beau avoir une bête de course en ordinateur pour jouer, ça rame quand même, ce qui n'est pas normal. Oui, astéroïde pacing, on l'a jamais fait. On l'a jamais fait. Je vous invite. Vous êtes prêts? Oui, ah oui. Oui. Are you ready? On est radis. Voilà, radis en On bas à est droite. radis en salade. Donc, et là, il n'y a pas besoin d'être premier, deuxième, tout ça. Il n'y a pas de course au poids. C'est chacun fait ce qu'on peut. On est sur un astéroïde, ok. Il faut servir des plats. Oui, c'est tout. Ouais, wesh. Et on n'a qu'une main. Comme de bouse. C'est quoi ça? Oui, comme Monsieur de Bouze. Oh, attends, Table de c'est quoi gravité. les... Alors, je connais pas du tout, j'ai joué un peu avec Edge, mais. Bah, prends tes repères, Nayonet. Comme tout le monde, j'ai envie de te dire. C'est la première fois qu'on fait la carte. Oh!
Je vois plein d'astéroïdes dans le ciel spatial. On se croirait voilà, tellement dans Starfield. Dans. Starfield. Non. C'est le ça Oui, non, mais le Doom. Jeu Microsoft ancien, là, même moteur graphique presque. Et... Elle pourra s'appuyer, j'ai oublié qu'il fallait s'appuyer. Ah oui. C'est où? Non, c'est pour laver. Sweepo. Ça s'appelle Sweepo, le petit robot. Freelancer. On se croirait dans un bar de Freelancer. C'est quoi ces sandwichs? Wow, c'est sandwich un sandwich au Kraken de l'espace, Christella. In case of broken window. Un sandwich avec des pics, je dis pas pour le manger, ça doit être... J'en ai un. C'est quoi ce bug? Ah, oh. Ah bah, c'est vrai que les trucs... quand on est dans l'espace, ça vole dans tous les sens. Hein. C'est ça. Le couteau, il est parti. Putain, il va couper la tête d'un coup. C'est un extincteur. Bon, bah l'extincteur est en vol dans la cabine. Ah bah le couteau, il a disparu. Ah, je vais envoler l'œil. C'est quoi ça? Alors... Oui. Oh, il y a un astéroïde qui vient de péter la vitre. Non. Merde, on peut la réparer? On perd notre oxygène. Au secours. Monsieur, retenez votre respiration. Battez le record de l'univers d'après. Putain, attends, j'ai vu un pain. Il y a un pain qui vole. Non mais on peut pas. Comment, il y a une urgence là, vous avez... Ah ouais. Ah oui. Ah cool. Bravo Tunsen, il est trop fort ce garçon. Il a un pistolet à réparateur de vitres. Génial, oh. Un pistolet à matière. C'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe? Au secours, qu'est-ce qui... C'est hyper lumière. Ah ouais. Oh merde, mon secours. Au secours. Chérie, je peux l'espace méga kappa. Ah, je peux plus attraper mon assiette, elle se barre dans tous les sens. Dans la station. Tu perds un couteau qui vole. Faites attention, il y a un couteau qui vole. Pas un couteau en deux. Vole, c'est dangereux. J'ai paumé la moitié de mon pain. Ah, il a été aspiré par le vide. C'est quoi un ping gel? Non, il a. Du gel rose. Attends, hop, les yeux du cyclope. Des ailes d'adromégradon. Je coupe le sage. Des ailes de dragon. Et des couteaux de l'espace. Ah, oh ben non, t'as fait tout sauté. Elle est où ma deuxième aile? J'avais cuit une deuxième aile, elle est où ma deuxième aile? Elle s'est envolée. T'as tout refait au bout de la. Je la graisse avec un couteau. Je la graisse avec un couteau. Ne touchez pas la table anti-gravité, vous faites tout sauter en l'air. Ah, mais le voilà mon pain. C'était Barry. Ouais. Ah merde, l'assiette, elle vole. Mon assiette, ça, dis donc. C'est la livraison. Oh, ce bordel. Non, mais vous êtes sérieux, les gens? Je sais pas si on va pouvoir servir un plan. Mais non, mais avec la gravité, il y a les ingrédients qui ont giclé de la caisse de livraison. Faut les ramasser un. Là, je t'approche ça, je te repose. Merde, j'ai perdu un œil. Enfin, dans le. Tu m'as fait un œil. T'as perdu un œil. Mon dieu. Ah non, non. Et pourquoi? Ah! Oh putain, y'a tout qui vole, mon sandwich! Mon sandwich! Qu'est-ce que c'est que ce jeu où il se passe putain. Des trucs pas possibles? On peut pouvoir faire un sandwich! J'ai trouvé une aile pour ça, mais bon! Allez, c'est bon, j'ai récupéré, elle est là! Mais peut-être ça fait une heure qu'il change son aile! Nayonette, tu veux flipper! Oh, attends, mais. Ah! Mais j'arrive pas à prendre mon sandwich! Mais non! Nayonette, tu veux flipper, tu fais des scénarios maritimes! Parce qu'il y en a un qui avait été maîtrisé par Tunsen qui est devenu fou du boulet. Oh putain. Fallait faire la guerre et la cuisine en même temps. Sérieux, hein. Fallait être sur le coup, tirer au canon. Elle est où ma deuxième aile? On avait une deuxième aile où? Ah, c'est possible. Elle est là, j'ai remis sur la table, mais attention. Et je t'avais... Mon assiette, elle est coulée. Oh, il est là, mon œil. Il est coulé sous la table. Tu avais un scénario de navire moderne où, pris dans la tempête, parfois tu avais des coups de navire qui perdaient son assiette, mais tu perdais tout sur tes présentoirs de cuisine. Donc fallait recommencer à chaque fois, c'était la folie quoi. C'était terrible. Ouais. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Moi j'étais maître au boulet. C'est ça. Non, mais comment tu vas arriver à faire un sandwich avec des yeux qui n'arrivent pas à tenir dans le pain quoi? C'est quoi, t'as le robot là? Voilà, j'essaie de ranger les. Ah, c'est un robot nettoyant. Bah oui, c'est des ingrédients. Vas-y. C'est le petit robot qui nettoie. J'ai une boîte d'œil de cyclope. Ne rigolez pas, c'est un ingrédient. Ah non! On soit chargé. J'allais faire mon sandwich. Qui c'est qui a mis une assiette dans le cube de. Mais ça va pas. Faut pas mettre les. T'as volé, oh pardon. Oh mon sandwich, c'est magique. Il y a une aile en haut là. Waouh, cette gravité zéro. Il y a une aile qui flotte dans le restaurant. Mais non, mais ça vole partout. Oh! Tunsen, j'ai trouvé ton aile, elle est dans le restaurant. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, mais c'est le bordel, hein, Nayone. C'est pas la mienne, celle-là, elle est où, mon aile? Ah, merde! Au secours! C'est à ce moment-là, au canaille.
qu'il y a un client qui dit c'est pas ce que je pense, et là vous dites il y a un coup, vous tapez le coup d'œil. Oh, mais c'est quoi cette intrusion là? C'est quoi ce maître Capello là qui nous parle d'un. Comme dirait Poupon, ouvrez l'œil, mais le bon. Bisous Poupon. Le pauvre il est mort, il en va. Mon boulot, ça va être de ramasser tous les trucs, voilà, tout ramener sur la table. De trouver des demi-yeux. Attends, il y en a un là. Un demi-œil par là. Non, ma caisse revient. C'est que le temps que je fais le sandwich depuis une heure, les. Là, un demi-œil, tiens. Ah, merci. J'ai eu le malheur de donner une impulsion à ma caisse. On peut l'arracher des mains, c'est génial. Vite, les caisses anti-gravité prison. Voilà, ça bouge. Bon, plus. Voilà, j'ai tenté un sandwich. Hein. On a beaucoup de stock. Tiens, voilà, sandwich aux yeux. Mais non, c'est des yeux, ça. Ah merde, fallait les faire j'ai pas fait cuire les yeux. J'ai pas fait cuire les yeux. Donc. J'avais une coiffe. J'ai l'impression de me voir quand j'avais 20 ans. J'avais mon goût, monsieur. Avec les cheveux. Ping sandwich et cyclope sandwich. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Oh, j'arrive avec une aile. C'est quoi cette assiette? Ah oui, oh, pardon, monsieur. Des sandwichs au cube rose. Okay. Les sandwichs. Mais d'ailleurs, il y en a un qui est en lévitation. Elle où l'assiette avec moi? Hop. Et vous faites quoi avec mes ailes là tout à l'heure? Moi, j'arrive jamais à faire un plat tranquille. Les pingle slice, j'ai cru. C'est bon, attention, j'ai une assiette de prête. C'est le pain que j'ai pas cuit. Mais je vais le pousser, tac, attends, fais voir que ça. Hop, hop, ouais. Ah oui, on voit qu'il est cuit le pain. Je t'ai piqué une assiette, j'ai piqué une aile. Non, mais j'ai l'assiette pour toi qui est celle-là. Hein? Piqué l'assiette. Non, c'est moi qui ai piqué ton aile. Elle relâche dessus. Attention. Voilà, je l'ai remis dessus. Ah mais avec la gravité ça vole. Oh merde. Ah la flash. Oh mais encore elle est pas de son aile. Tiens Blaine. Les éruptions solaires. Ce côté est Twinsen, ton aile est là, voilà. Sandwich, si ça vole, je peux pas la mettre. Oh merde, y'a un truc qui flambe. Viens sur le plat. Le pingel sandwich. Oh c'est dur. Vas-y mets-la dessus. Et les îles d'Andromède. Là y'a une aile à la con qui vole. Les cubes, ah là-bas. Il y a un cube juste là, où je suis. Attends, ah oui, hop, demi-cube. On faut deux. Il n'y a personne qui vole de mon, de mes ailes. Oh, mais tu nous casses les bambous avec tes ailes. Non, elle se barre. Eh, vous allez bien, la clientèle est contente. Ah oh, je reviens, c'est la catastrophe. On n'a rien servi, on n'a rien servi là. Si, moi j'ai réussi à servir un truc, mais c'était pas cuit, donc ils ont pas aimé. Ah bah ouais. Oh, attends, là j'ai. Ah non, on te barre pas le cube! C'est l'heure de la paix, cube! Comment ça, on progresse? Ah, vous avez commandé des trucs? Ah, il me faut mon deuxième demi-cube. Ah merde, viens. Ceux-là, ils vont vouloir de mon plat. Ça tient? Non, ça tient pas. Non, ça, c'est pas un demi-cube. Non, ça ne tient pas. Ah, merde, il y a un qui va vouloir. Dans le sas de livraison, qui va pas. Ils sont au fond en plus. Il y a un truc. Ah merde, c'est ça qui va pas. Ah, voilà pourquoi je peux pas. J'en ai un bon! J'en ai un bon! Eh, faut avoir le coup d'œil. Qu'est-ce qu'il y a comme ouf? Ah oui, on voyait pas. Je voulais pas faire ça. J'ai un super sandwich. Oh, fais voir comme c'est beau. Bon apéro, à ceux qui sont à l'apéro. Ah non. Qu'est-ce qu'on a? On est ralenti. Ah là là, ah là là, ah là là. Qui c'est qui veut un sandwich? Lui, il en veut un. Ouais, je pense pas. Ah, moi j'ai pas de sandwich, monsieur. Fantastique, il est cool. Et Jay, tu Fantastique, mille. C'est la carte de l'astéroïde dans le jeu de cuisine, Jay. C'est l'astéroïde. Mon Dieu, c'est ah, c'est le bordel, hein. Comment. Oui, tu peux le dire. Ça vous vole dans tous les sens. Ah, ça c'est le cuisse, couteau. Le couteau, il est où? Ah, j'ai la. Ah, il y a une. Non. Tamiel qui. Il faut qu'il revienne, il a cuit. C'est à manger, ça. Revenez. Alors attends, il y a une assiette qui cuit, c'est pas bon. Ah. Hop. Mais j'aime beaucoup l'ambiance. Qui veut. C'est la vaisselle, ça. Je sais pas qui c'est qui est passé avec son chapeau là. Je trouve que les autres sont très inspirés. Faut rester en dessous en fait. C'est dur. Mais si tu lâches l'assiette dedans, ça lave quand même, non? Non. J'arrive pas à saisir le morceau de cuit. Tu vois, je suis, j'ai un sac qui a monopolisé. Oh, ça fait. Il y a un cube, il est cramé. Non, il est ah, il y a celui qui vole. Pas dans la four. Mais c'est quoi cette. Ah bah non, tu peux nous rejoindre, Jay. Enfin, quoi que je dis ça, mais non, oui. Il est limité à 4, bah, oui. Pardon. Bah, ah merde.
Non mais c'est pas grave, Nayonet, t'en fais pas. Au cours de route, il y en a un de nous qui va lâcher et qui... C'est pas grave. Ça y est, mais oui. Alors en fait, je réponds à la question sous-entendue de Jay. Oui, il suffit qu'un joueur ait acheté le contenu additionnel, ce qui est mon cas, et merci à vous, puisque c'est dans la tirelire de la non, chaîne. Non, ça vole. Ça vole. J'ai acheté tout le contenu additionnel du jeu là et du jeu à braquage. Et il suffit qu'un des joueurs ait acquis le contenu additionnel pour qu'il puisse inviter les autres. Ce qui est mon cas. Oh. Ah, le couteau est là. On peut tout faire en fait. Et c'est très intéressant. Franchement, le jeu mérite d'exister. Quoi. C'est et aussi drôle. Tous les commandants de conquérir aussi. Hein. Oui, il y a Jet. Oh, et l'autre, la balance. Ah. Oh, il a acheté tous les commandants de conquérir. Ça vole. J'ai craqué parce que à 8$, Nayonet, à 8$, t'avais les 17 jeux de la saga. Oui. Elle est où ma deuxième aile? Donc, mais voilà. Qui c'est qui donne des couteaux? Ah, donc, elle est où mon aile? À 8$, j'ai acheté tous les. Merde, elles sont où les assiettes? Ah, d'accord, 8$, bah, j'ai. Avec une certaine nostalgie d'ailleurs. Elle est où mon aile? Parce que le tout premier. Elle est sur la table, ton aile. J'ai la chance de l'avoir en version de boîte d'origine que je garde précieusement. Bon, est-ce que je vais y arriver? Renegade. Du coup, t'as le Renegade. Ah, Renegade, oui, je l'ai réacheté. Renegade. Je l'ai en boîte. Renegade. Ouais, Renegade. Attends, il y a une assiette qui a volé, je sais pas où elle est partie. Attends, la main, et retombée sur la table. Ah ouais. Mais elle revole en fait. Heureusement qu'il n'y a pas de boulet là-dedans. Ah, c'est lui, ça tue. D'ailleurs, elle est bien sur la table, mais bon. Il va falloir que je gère ma marmite de flotte pour les pattes, moi. Mais non, mais pourquoi j'ai l'impression qu'il fait Jay, il joue au supermarché. Ouais, Jay qui retourne au supermarché. Ah là là là. Mais il a raison, il se fait plaisir. Et il manque des aides. Rocket League, hein. J'aime bien mon c'est infernal ce jeu. Oui, ça vole partout. Non, mais si tu c'est ces niveaux, oui, ils sont terribles. C'est vraiment infernal, Edge. C'est quoi, c'est Q? C'est pas Q, c'est quoi ça? Ah oui, c'est Q, c'est un concombre de l'espace. C'est un concombre de l'espace, méga kappa. Mon œil il s'est coincé dans le dans les caisses. Mon petit bon œil. Ouais, ça. Hop. Bon, ça va, on a tous les ingrédients ou on doit commander des choses? Attends, je vais cuire un concombre de l'espace, c'est très demandé. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Mon œil il s'est encore barré. Il y a des brutes qui tapent. Ça se cuit les. Ah non, ça se cuit pas. Ah oh, non, non. Oh, mais non. Attends, il y a un pain qui va cramer. Moi, oh, y'a plus rien! J'en mets des assiettes. Je me sers à la table de gratitude pour récupérer tout ce que vous laissez tomber un peu ou moins dans l'espace. Tu peux, vas-y. C'est quoi au sol? Oh, pardon, j'ai croisé Shrek. Ah, mais c'est pas cuit ça, faut le cuire. Mon pain! L'œil de cyclope coupé en deux, faut le cuire. Oh, y'a une assiette qui est dans l'air. Pardon, là, je pousse. Voilà. Je t'ai poussé. Alors, en fait, faut éviter de taper la table de gravité, elle est hyper sensible. Oui. En fait. Ouais. Ah, j'ai pas calé, c'est peut-être t'as pas idée de tout ce qui est sensible ici. Oh mon dieu. Mmh. Oh, attends, l'assiette elle est collée sous la table. Coquino, tu une scène qui a réagi à l'adjectif sensible. Moi, oh, c'est pas trop. Oh merde. Mot, ça va, c'est pas trop. C'est pas coquin, quoi. Ça dépend. Avec qui? Ah oui. Et avec quoi? Non mais. Oh, tu es une scène alors. T'as revolé un peu. Waouh, le couteau en lévitation, ça fait peur. Oui, on va le reprendre dans l'œil. On dirait une attaque de zombies. Putain, mais la table en fait, il faut être vachement. Oui, il faut surtout pas la toucher. Hein. Télékinésie. Ah, mais elle oh, mais non! L'assiette est là repartie. Attends, c'est quoi ça? Qui c'est qui me. L'assiette elle est repartie. Faut mettre deux ailes sur l'assiette et t'envoies ça au client. Faut mettre deux ailes. Mais vas-y, mets-les les ailes. Non! Allez! Ah, tout qui vole! Oh la vache! Ce gros TRL là. Attends, y'a une assiette qui est partie dans la salle. Ah, y'a du woogie du carton. Attends, 8! Y'a une deuxième assiette. La Battlestar Galactique. Oh, c'est qui veut ça? Attendez, j'essaie de cuire les aliments, mais je dis bien j'essaye. Est-ce que les ailes sont cuites? Cooked? Oui, ça c'est cuit. Ah, cru. Ah, c'est pas cool. Wow. On a un peu débarcassé là. Une.
Ouais. C'est quoi ça, c'est cycliste? On a qu'un bras et en plus il est cassé. Ah oh. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai percuté Christella, du coup j'ai perdu en main. Mais arrêtez, il y a les éléments cuits qui volent dans le restaurant. Tu sais, à la rigueur, tu sais, à la rigueur comme ça, tu jettes des trucs en apesanteur et puis peut-être que. Allez, là c'était la repartie. Non, ils veulent des plats dans des assiettes. C'est pas... Oui, des plats précis, mais bon. Taillonnais, ouais. C'est pas validé. J'ai joué avec Edgy. Ouais. On a fait une partie ensemble. Mais non, mais non, mais il y a un petit peu de rien du tout. Là-bas, il y a une assiette. Moi, je rêve qu'il y ait un bar dans l'espace. Ils ont pas fait la fusion des deux. Parce qu'on pourrait officiellement servir des soupes volantes. Mais c'est Twinsen qui fait le couillon. Oh. Le couillon, attends, je vais m'occuper de lui. Cet aveu de couillonnage. Je l'ai vu avec le pain. Tiens, il a couteau, paf. Alors Twinsen, on tape des miches. Ah merde. Bah, l'assiette a disparu. C'est trop cramé. C'est moi ou l'assiette a disparu? Il met trois sur la table. C'est quoi l'évitation là-bas? Oh, c'est un œil de fou. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec la nourriture? Je sens. Ah voilà, je l'attendais. OPRL. Non, ça c'est une aile cuite. Non, à l'hyperespace. Allez. Non, à l'hyperespace. Ah, mon aile est restée coincée. Bon, en voilà une. Si quelqu'un cherche un couteau, il y en a un sur au plafond. Hein. Qui cherche un couteau le... C'est une bonne planque ça. On n'a pas trouvé la serrure. Cramer la viande, ça crame. C'est ça crame vite. Oh merde, il y a trop d'objets en lévitation en même temps. Ah, c'est une planche de. Ça m'a mis de gravité. Attends, il est où le couteau? J'ai chopé une aile. Je ne vois plus le couteau. Ah, il est là. Les yeux vers le ciel. Ah, ça y est, j'ai une assiette d'aile. Ouais. Qui c'est qu'en veut? Qui qu'en veut? Non. Assiette d'aile. Oh non, ils en veulent pas. T'es sérieuse? C'est pas le bon plan. Son rouleau. Bah si, mais personne n'en veut. Oh, ah, papa, il y a des nouveaux clients. Mais merde, j'ai pas manipulé les couteaux, ils sont en lévitation, ça m'énerve. Voilà. Incredible, il a dit. C'est dur. C'est vrai. Bon, pardon, moi je vais gérer mon eau. En vraie cuisine, j'arrive. Bougez pas. Oh, une scène. Mais qui... Attends, est-ce qu'il y a du pain là? Ah. Pardon. Je suis con. Oh bah ça, on l'avait vu. Et vous avez. Je peux tout balancer, hein. Mec, je prends les services. Oh, tant que tu touches pas la table, c'est bon, reste loin de la table. Oh, la table. Non. Hop là. En plus, en fait, il gagne en plein bon PRL vers Caprica. Caprica. Ah, t'as pas la mer. La vache. Allez, bientôt, le 30 août, le nouveau Star Wars, son jeu qui sort, hein, Star Wars Old Cool. Hein, je mets ça sur la table, hop, voilà. Hop, ah, bah oui, déjà, il sort, ouais. Que j'ai déjà dans mon compte Ubi. Allez, voilà. C'est pas possible. Mais c'est quoi cette date de merde? Tiens, Twinsen. C'est quoi cette table de merde? On touche à table, c'est tout se barre. On va faire des tours de magie aux tables des clients. Tiens, le couteau. Mon pain est où? C'est quoi ça? Oh putain, il y a un bouton. Il est cramé, lui. J'ai vu un client mettre tous les ingrédients dans sa poche. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui dit rien ou on lui casse la figure? On lui casse les yeux. Mon dieu. Les yeux, il y en a déjà plein ici, des dieux. Des dieux? Quoi? Ouais, il y a une livraison. Livraison de clients là. Ah, mais... qu'il y a un demi-œil quelque part par là. Ah, mais on peut se faire livrer là-bas. Ah, ouais. Oui, c'est le sas d'amarrage des livraisons. Ouais. Là, il y a un œil. Des clients aussi. Là. Voilà. Parce qu'il est juste là. Tiens, tu vois plus rien. C'est rigolo. FPS marrant. T'as mis les sandwichs aussi. Ah, tu vois, regarde, attention, hein, là, t'as un t-shirt troué. Hein. Il est déchiré ton t-shirt. Ouais. Ah, là-bas. Mon dessus de pain, il est là. Oh non, il est tout dévolé.
Ah non! C'est horrible comme sensation. Oh la vache! La choc. Ouais, ça c'est cuit. Bon, faut que je récupère mes yeux. Oh, ça peut tout voler. Bonjour messieurs dames. Qui veut quoi? Pingle sandwich, deux pingle sandwich et des ailes de dragon. Et un robot c'est pas possible. Qui fait le truc. Oh, il est bluffé par le plat qu'il a mangé, le monsieur. Ça fait plaisir. Bon. Et depuis tout à l'heure, j'essaie d'aider tout le monde à essayer de rassembler les plans. Je vais augmenter le défi en vous piquant les ingrédients. Essayez de m'attraper. Il est fou. Non, là, heureusement que le sage a mis le mode libre. Hein. Oui. Pour apprendre. Bon, on va faire un lancer de couteau. Ouh. Il est fou. Attention. Ouf. Bon, tout a volé. Va te laver l'assiette. Mais oui, elle veut pas rentrer l'assiette. Va te laver l'assiette. Oh. Le frisbee de l'espace qui dit pas son nom. Non, c'est cru ça. Bon, est-ce qu'il y aurait une assiette par ici? Il y en a plein sur la table. Ah, ouais, enfin, moi j'en vois plein voler surtout. Ouais, ça vole dans tous les sens là. Oui, c'est dur hein, de gérer la lévitation. Enfin, la gravité. De supporter la gravité, la non-gravité. La gravité avec gravité. Oh yeah. La gravité, faut la payer. T'as une gueule sous la table. Oula, 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 la, 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 la. Hop, une assiette d'elle, qui c'est qu'on veut? Gravité avec gravité, et c'est pas du tout. C'est là, efficacité 100%. Ah bah oui, moi je sers là, hop. C'est bon, il a bien mangé. Elle fait plus simple, elle fait les ailes de dragon là. Oh bah évidemment, chaque fois que je fais un sandwich, il vole en l'air, alors le temps d'en faire un. Alors toi le hop, il y a des gens qui sont tout verts, c'est normal. Ouais, c'est Luc. Faut pas trop le contrarier, je pense. Hulk Hogan. Et pardon. J'arrive, je te rends l'aile. Hop. Est-ce que c'est l'aile ou la cuisse? Non, là, il n'y a que l'aile. Dans l'espace, méga capa. Oh, quand je pense que je suis parvenu à cuire un poulet il n'y a pas longtemps. Bon, certes, éviscéré, mais. J'ai encore une paire d'ailes, c'est là si tu veux faire. Il n'y a pas une paire d'ailes. Poulet aux épices pour 10 euros. Oui, mais il n'y en a qu'une. Attends, pour l'instant, j'essaye de faire un sandwich là. Ah, échappe, ça ne marche pas. J'ai un petit plantage. Oh, c'est quoi le plantage? De quoi, le jeu? Ouais, le jeu. Oh, hop là, le sandwich. Oh, le sandwich de la mort. Et où le pistolet, s'il y a un sandwich, là, je le cherche. Là. Si t'as un message d'erreur intéressant, n'hésite pas à le soumettre en capture d'écran, ne serait-ce qu'à moi, Dionel, parce que je suis en contact avec des développeurs, donc je peux leur rebalancer l'info du crash. Je suis en crash, mais c'est juste l'application qui est figée. En fait. D'accord, ah, merde. Je te vois encore connecter le chemin, t'es devant le lave-vaisselle galactique. Oui, voilà, c'est ça. Et je suis coincé ou je quoi? Oui, c'est bizarre. Est-ce que tu me vois coincé? Mais on te voit plus bouger, ouais. 1, 2, 3 soleils, ouais. Ok, voilà, c'est exactement ce qui se passe. Bah, je vais quitter le truc, hein. Je vais forcer la fermeture. Oh, ça y est, j'arrive à faire des plats. Hop. Oh, connexion time out. On est tous déconnectés. Ah bah voilà. Ah bon? Oh, oui, on a une erreur de connexion. Alors ça, il faut que je fasse une capture d'écran pour les développeurs. Je vais leur. J'ai encore bon jeu, moi, pourtant. Ah ouais, moi aussi. Pas moi. Je suis encore à crêter là. Oh ouais, nous, c'est bon. Ouais. On va faire des petits bisous dans un coin, personne ne va nous voir. Viens, 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 viens. Oh. Viens. Ah non, bah non. Oh le coquinou. Allez, viens, bon, je te dessus. Hop là.
Oh le coquinou, le Tunsen. Oui. End task. Non, je vais chercher mes armes secrètes. Attends. Ah oui, alors. Viens là, que je t'arrose. Oh putain, mais il est relou et son instincteur. Il sent plus, là. Viens, voilà. Bataille d'instincteur. Merde, ah, j'ai lâché le mien vite. Le cochon. Vas-y, prends, prends que je te dose. Vas-y, vas-y. Oh, oh putain. Oh, tu une scène, il est terrible. Oh, le vilain garçon. Vas-y, j'envoie la purée, j'envoie la purée. Oh. Merde, j'ai relâché. Oh, putain, c'est horrible. C'est horrible. Oh, ça crame. Et voilà. Crame. Mais oui, je fais cramer mon pain à cause de toi. Ah voilà, j'ai eu un succès, voilà, super. Ah, je vous ai rejoint, c'est bon. Ah, c'est bon. En revanche, j'ai pris de message d'erreur. Mm-hmm. Ouais, ouais, non, mais c'est bien, j'enverrai l'info de mes corps. Vous avez cramé ? C'est des infos, ça va leur plaire. Par contre, j'arrive pas à me débarrasser du connection timeout. Je sais pas comment je fais pour me débarrasser du timeout. Merde, ça c'est des yeux, moi je veux pas des yeux. Ah ! Quitte le jeu, rejoins le parti. Il y a une boîte en carton qui est partie comme une folle. Oh putain, dans le truc. Comment t'as fait pour te débarrasser, Nayonet, du message au premier plan connexion de timeout? Alors, j'ai eu aucun message et en fait, je me suis débarrassé du bug en quittant via le gestionnaire des tâches, en tuant le jeu et ensuite en revenant au jeu et ensuite en cliquant sur rejoindre ta partie dans Steam. Ouais, parce que j'héberge et comme je suis l'hébergeur, moi je suis entubé, je peux pas faire la même chose. Bah, et ah, c'est oui. Pas, peut-être. Non, on va tout faire là. Ouais, si t'es comme c'est toi qui héberge. Ouais. Tu peux passer le lead à quelqu'un. Non, je sais pas. Attends, j'essaye un truc. Non, c'est pas viable, bonne idée. Espace, je joue un truc en surimpression. Connexion timeout. Ah, vous avez merdé la programmation, les gars. Faut que, c'est pas grave, j'enverrai un web bergeur. Ouais, bien sûr, coupon. Non, mais il y a un bug. Il faut que je remonte l'info au développeur. Regarde, j'ai un couteau qui est collé contre la vitre, je peux pas l'attraper. Ah, j'ai trouvé l'astuce. C'est bon, je suis revenu avec vous. Mais il faudra que j'améliore avec les. Alors, bon, moi, bah, le couteau. Une autre interruption qui est tout aussi gênante, c'est que je gère mes pattes, je reviens. A tout de suite. Ah, ça y est, j'ai réussi à décoller le couteau avec le pain. Ouais, la physique de la caisse, mais c'est invraisemblable. Ouais, c'est un peu. Ah, bah oui. Je la mets sur la table. Oula! Attends, je vais la piquer. Voilà. Attends. Voilà, j'ai mis sur la table. Ouais, mais elle va stabiliser. Ah ouais? Hé, hey, mon œil! Hop, 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 hop. Ah non, ah non, ah non, 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 c'est pas bon là. Un bastos qui pourra nous rejoindre en jeu. Oh! Ouais, mais c'est 4 maxi ici. Non, un mais joueur. Sur un jeu comme le supermarché là par exemple. Ouais, ouais. Mais la caisse, je la vois pas. Oh, il est déjà cuit lui. Elle est au-dessus! Ah, j'ai chopé. Hop, 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 mon sandwich. Hop, ça y est! Nouveau sandwich. Oh putain, Nayonet, je sais pas ce que tu fais avec la caisse, mais il y a des trucs bizarres quand même. Hein. J'aimerais savoir aussi. Tu lâches ta caisse. Bah, je lâche non, la là, caisse, je lâche ma caisse. Et voilà, trop tard, maintenant vous êtes obligé. C'est une pièce fermée. J'ai eu l'œil. Ah, mais voilà. C'est une table. Ça va donner faim tout ça, sinon on va faire tuer à manger. Oh, mais. Alors, Nayonet, je viens de te voir en train de mettre la caisse sur ta tête, mais c'est très bizarre. Bon, je vais m'amuser avec l'extincteur, c'est tellement plus rigolo. C'est comme les serpentins en bombe, là, les trucs chimiques, là. Ah, le singe n'est toujours pas revenu. Ah, il est parti, il vient s'occuper de la coupe de ses pattes. Voilà, mais cette caisse, elle a un problème. Hein. Ah, s'il a envie. Il avait envie de ça, alors forcément. Bon, mais à 100 euros. Il a envie de. Je crois qu'on est même pas là, toujours. Hein. Il y a tout le temps qu'il y a à faire. Il
Attends, je mets ça là. Ça, j'ai dit plus rien. Ça, j'ai des parties s'occuper de ses pattes. Si j'ai pas 3 minutes, PRL, Bib. C'est un scandale! Qu'y a encore du pain, y'a quoi là-dedans? Ah bah voilà, c'est bien. Ah bah y'a rien. C'était pas de 3 minutes? C'était pas de 3 minutes? De contraintes, on va dire, horaires de cuisson. Bonjour, j'essaie de te serrer la main. Oui, bonjour. J'essaie de te serrer la pince, mais ça fait plutôt des caresses plutôt qu'une serrage de pince. Ah oui, c'est vrai, t'as un trou dans ton t-shirt, il a raison. Bah oui, alors Christella qui a le bras trop long. Pourquoi Christella a le bras trop long, c'est regarder mon direct qui a un gros problème. Je vais le voir sur le retour. En fait, on le sait pas, mais Christella, elle a mis le The Mask, vous savez, de Jim Carrey. Là. Pareil, pas en vert, mais elle est devenue élastique comme Luffy dans One Piece. Je crois que mon bras est resté coincé. Oh merde, la gueule est c'est devenu violent. Elle a les yeux. Chaque lui aussi. Que monsieur élastique dans Marvel. Ça fait peur, ça fait grave peur ce que j'ai vu. Alors, comment vous le sentez? On continue ou on fait un autre scénario? Bah, on fait un. Celui-là, il est un peu dur quand même. Hein, il est dur, hein, c'est vrai. Bah oui, il est sûr qu'on a pesanteur. Oui, c'est. J'ai fait aucun plat, quoi. Oh. Parce que j'ai juste. Plutôt... Ah, moi, j'ai juste à faire les ailes, les Andromée Dragon Wings. Oui, ça, c'est facile, ouais. C'est pas compliqué à faire. Je cherche le couteau, mais. Allez-y, oui. Elle a le bras long. Ouais, le couteau. Where is the knight? J'ai été éjecté. L'autre qui a quitté la partie. Qu'est-ce que ça, tu veux plus de nous, le sage? Il veut plus de nous. Bah, je vous invite à faire une nouvelle partie. Pardon. Mais en tant que bof, Christella, oui. Qu'est-ce que tu as fait de se faire envoyer en l'air en espace? Ah putain. On t'aura tout fait, ma pauvre Christella. On t'aura tout fait. Mais j'avais émis la théorie du danger d'être la seule représentante de la gente féminine dans une communauté majoritairement masculine. C'est toujours le risque, malheureusement. Voilà, voilà. Il faut espérer tomber sur une authentique assemblée de junglemen. Bande de coquinous. Il manque une personne. Moi, je vais remettre dans mon brocoli. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. On va être gentleman, on va céder voilà. Pour se faire pardonner à Christella. Manger des légumes. Tu veux quoi, Christella? Qu'est-ce qui te ferait plaisir comme scénario de jeu? Ce qu'on n'a pas fait ensemble, c'est le sandwich. On l'a pas fait, le sandwich. On n'a pas fait le sandwich ensemble. Ah ouais? Non. Les sandwichs à Simon, d'accord. Ok, sans gravité cette fois-ci. Ouais. Ça va aller mieux. Sans gravité. C'est rigolo de la découvrir. Non, mais il n'y a pas encore un Ayunat qui ne doit pas encore habiter. Ah oui, oui. Attends, c'est bon, c'est fait. Ouais. Et j'adore mon aspect en tout bleu. Franchement, je trouve que c'est trop stylé. Enfin, chacun ses goûts, mais j'adore. Tu joues dans Avatar ou quoi là? Oui, c'est ça. Appelez-moi le grand Jérôme, c'est moi. La 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 la. Voilà, je suis prêt. Ok. Il reste plus que tu me sèmes. J'ai tout arrêté. Ouais. Le mec relou. Oh, le vilain saboteur. Vilain, tu me sèmes. Vilain. Alors attention. C'est. On a 400 secondes, mais là, cette fois-ci, on joue sérieux. C'est-à-dire que si on n'est pas rentable, c'est la fin de la partie. Ah. Je vais Alors déjà, le sandwich. On avait foutu le bordel avec Toyota, avec Torota la dernière fois là-dedans. On est chez Bastos, c'est la côte niçoise. Ah. La promenade des Anglais. C'est ça. Tu fais oh, merde, là-bas, c'est l'appartement Bastos. Je vois Bastos tout nu là-bas, regardez, vous le voyez pas là-bas, là-bas. Oh, Bastos fantasmé, oh mon dieu. En train de sauter partout là. Oh. Et son fond vert. Sandwich au thon, ils veulent. Ouais. Est-ce que le thon c'est pas cru ou... J'accueille les prochains... Ah, le thon, ouais. Ah, c'est vrai que c'est le pain, il faut qu'il soit cuit. C'est là que je m'étais fait avoir la dernière fois. Alors, quand j'avais fait tout seul, j'avais pas cuire le pain. Bah, si tu veux, je gère le pain et je ne cesse de cuire les pains. Ah bah,
Moi j'ai un bug, le pain il passe à travers la casserole. Ah, c'est pas cool ça. Attends. Ah pourquoi le couteau est dehors? Ouais, il y a collision d'objets là. Pas sur la plaque, ouais. Pas sur la plaque directement. Ouais, mais il est déjà cuit ce pain. Ah, attends, j'ai déjà du pain cuit. Mais on va mettre au four le pain. Pain cuit. Oui, t'as raison, on va jouer du pain. Ah oui, mets-le au four. Oui, c'est mieux au four pour le pain. Il a raison, tu le sais. Ah oui. Il y a des grilles. Non, il y a des grilles. Il y a des grilles. Mais vous allez trop vite, j'ai pas le temps d'enfourner tout. Ah, c'est vrai. Mais ils sont pas dans l'espace, il y a quand même des animaux qui volent. Oh merde, pardon, j'ai mis sur le. Doucement. Mais non, il est déjà cuit, lui, ça va pas. Mais distinguer le pain cuit du pain cru, vin du ou. C'est marqué, et en plus, tu vois la couleur qui change. Exactement. Achetez-vous des verres correcteurs, malheureux. Là. Hello. Merde, merde. Oh, non, on est trop en cuisine, là, ça va pas. Et 3 dans un mètre carré, quoi. Bah, j'en ai eu un. Pardon. Oh, alors. Il était posé sur le. Hein, trou du ouf. Merci. C'est quoi ce rat? Mais il va mourir sur la plage, ce rat. Il va s'acheter des lunettes et un parasol et il va partir. Il a piqué un pain. Il a piqué un pain. Oui, bah il dira bonjour au prince Rainier. Hein. Monaco, c'est à côté. Ah! Mais c'est pas les mêmes bon, tarifs. Il y a 2-0 en plus derrière la virgule. Est-ce qu'il y a un four, s'il vous plaît? Ah là là, il est là. Le four. Un sandwich. Non, mais je vais mettre le rat dedans. Oh non, non, non. Ah! Oh, ça y est, il commence. C'est pas comme si j'avais fait pareil le premier faut jour. Du. Ouais. Voilà, voilà. Là, dans le frigo là, aussi. Je cours après des rats, j'ai mais c'est une pas. Séquence, vous le savez, de clip où des rats dans un amour torride, en feu, se font la bise et se passe l'incendie entre eux. Ils meurent tous cramés. Et ça fout feu tout au quartier. Voilà, voilà. Bon, il m'a foutu la merde dans mon sandwich. Il n'y a pas de clip qui veut. Alors, Bon, tu peux essayer de mettre le rat au congélateur. Oui, tu peux aussi, tiens, vas-y. Bah, t'es où? Oh, tu me saignes. Bon, bref. Ouais. Bon, je ça va, la dernière fois, tu nous as fait des rats glacés. Tu nous as fait la dernière fois. Oui. C'est des rats gondins. Donc, c'est pas des rats d'eau, c'est bon. La congélation, c'est mieux. Et il... Oh, tout a volé! Ah, tu t'es fait renverser, malheureux! Arrête, mais. Ah, il y a un camion! Ouais, chez Livraison de Pain! Allez, tout ça dans le four, go! Qui veut tâter des miches? Qui? C'est la poche de la papa! Mais! Ça brûle, hein! Ça brûle! Ah, il est tombé à côté, cet idiot! Merde, c'est pas le couteau que je veux. Il est où le machin qui est cramé? Tout est à base de pain cuit. Autant mettre un pain de mie complet au four et puis basta. Allez, go! Viens, il se prend! Je suis tellement habitué à la gravité maintenant. Enfin, il y avait l'antigravité que je voulais donner une impulsion sortie du four, mais ça marche plus, ça tombe au sol. Je suis habitué à la version spéciale. Un peu de bordel encore là. Hein. Bon, c'est bien. Oui, bah gardez le bordel parce qu'il a organisé le bazar. Mais là, on a encore aucun sandwich de fait hein, pour l'instant. Hein. Si, si, moi j'en ai fait un. Allez-y, allez-y. Il était bon? Il était bon? Ouais, ouais. Je sais pas si... Vas-y, fais-nous à manger. On te regarde. On te regarde, brocoli. Brocoli. Lavons les assiettes. Et le frigo, faut fermer le frigo, merci. Lavons les assiettes. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Bon, non, l'eau est gratuite. Mais... Là, oula, oula, doucement, doucement. Oh, c'est extincteur, mon. Me manque un. Ce n'est pas ce que j'ai commandé. Oups, on a un client satisfait, dommage. Un peu caduque que d'un Michaud, un peu plus qu'un Michaud. Alors, tu préfères. Merde, il n'y a plus de. Bah, ouais, il faut du concombre. Il faut des tuna sandwich, il en faut au moins deux. Attends, je vais en commander. Alors, concombre, je fais des commandes. Concombre, quoi d'autre? Un avocat aussi, canne sandwich, merci. Avocat, ok. Quoi d'autre? Du thon aussi, il va falloir, il n'y en a plus. Du thon, il n'y en a plus. Ok, tuna, ok. Et puis pour l'instant, je bon, pense allez, que c'est bon. Commandé. Allez, go. Oh, mon livre favori. You. Le paysage est beau, j'aime beaucoup. Ah, ah la camion, il est là. Non mais je sais pas. Je vois la fête. Je vois la fête là-bas, c'est bon. Ah, puis le champignon. C'est quoi qui a commandé?
Alors, j'ai commandé des avocats, du concombre et j'ai oublié le reste. Et toi, tu... Du thon, non? Oui, du thon. Ah, c'est moi, c'est pour aller plus vite. C'est exact. C'est exact, c'est exact. Ah! Ah, donc tu m'as fait peur. Allez là. Ah oui, le thon. Ça se cuit, le thon. Moi, je cuis le thon, ça me plaît. Y a pas de carton vide? Si, sûrement. Parce que là, ils sont tous pleins, alors. Je cuis le thon, Christella. Nous avons du bon cul. Pour le bazar, son présent par la cuisine. Oh merde, ça a volé. La 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 la. Voilà, on a du thon cuit. Oh non! Oh merde, oh non! Ah bah on a plus le temps, on a quand même 3 étoiles. Ah, moi j'ai gagné un succès. 20 jeux gagnés. Wouah, et 3 étoiles sur 5, on s'est bien démerdé. On l'a refait? Oui. Bah allez. Moi j'ai adoré. L'ambiance est tellement sympa. Attendez, je vais voir si je peux pas légèrement changer d'apparence. Ah non, le jeu est bugué. Ouais. Le jeu, il veut pas. Tant pis. Je suis prêt. Je suis prêt aussi. Gagner 250$ en 400 secondes. Ouch. C'est pas gagné, c'est moi qui le dis. Ah, vous l'avez des gens? Moi, je vais déjà faire du pain à l'avance. Oui, tu as raison. Oh la vache, la casserole. Niveau, allez. Ah, pardon. Ah. J'avais pas vu que t'avais pas tenu, Christella. Excuse-moi. Mais le problème, c'est qu'il y a du pain qui tombe à côté. Ah, c'est bon, il est cuit. Oui, il est cuit, c'est cool. Par contre, il y a du pain dessus. Ouais, voilà. Tu as raison. Deux sandwichs au cheese et au jambon. Le camion est là. Le camion Merci, est là. Merci, camion de pain. Cheese. Mettez attends. Le pain dans le four, on aura des tartines d'avance. Merci. Et Christella. Ah, il faut du truc de hein quoi? Non, je sais pas. Bah oui, Christ. Christella. Oula, c'est le bordel en cuisine, on est coincé. Merde. Il va où là, avec son assiette? Hop. Il est où, bah nulle part. Je prends reconnaissance du restaurant, il y a des clients qui approchent. Ouais, ouais, je vais prendre la commande. Je sais plus combien il en faut pour le. Il faut encore un il faut un troisième cheese jambon. Oh. Ah, c'est prêt. Le... Et ah. Un tuna sandwich. Ça c'est prêt. Ça saute. Oui, c'est prêt, patron. C'est plein de trucs cuits. Bah, et heureusement que j'ai pas un balai pour vous taper dessus. Hein. Mais pourquoi ça surcuit? Mais non. Mais non. Parce que le four, ouais, le four. Comme le four, il s'est pas. Envoie mon pain. Ouais, faut faire gaffe quand le four ça s'ouvre qu'il soit bien éteint. Parce que des fois ça continue à cuire quand même quand il bah est allumé. Oui, c'est ça. Pas ouvert. Et quelqu'un a remballé le plateau, il fallait surtout pas faire ça. Du coup, on a perdu la marchandise. Hop. Attends, hop. Et hop, dans une pipe en bas. Bon, qui c'est qui veut un. Voilà, là, les premiers. Hop. En voilà une. Merci. Bon, c'est un incident de cuisine comme il en a. Mais où sont les assiettes? Les assiettes, elles sont... Ah oui, elles sont passées où, les assiettes? Oh bah merde, alors. Qui a volé les Par contre, assiettes? Il n'y a plus de jambon. Qui est le vilain qui a joué au frisbee avec les assiettes? Qui a fait du disco plan? Oh, c'est encore un coup de marionnette, parce que j'ai vu partir avec une assiette tout à l'heure, alors je pense qu'il a toujours avec. Ouais, ça j'ai fait un peu... J'ai rien fait du tout, moi, qu'est-ce que... Il est parti les cacher, je suis sûr. Donc là, il y a un truc qui traîne dans le... C'est Keylar, là, qui l'a voulu son crime, hein. Il les a foutu la poubelle, je suis sûr. Oh, le vilain. Il y a du pain cramé dans le four. Comment on sert les assiettes là? C'est pas dans la poubelle les assiettes. Oh merde, moi j'ai mon truc qui crame. Oh bah j'ai déconnecté. Ah bah oui, si tu fais des bêtises. Et on peut pas commander d'assiettes, on fait comment là? Mais oui, elles sont les assiettes. Oh, attends, ça c'est cul. Oh, le brigand. C'est une marionnette. C'est une marionnette, il a fait le CON avec. Oh. Oh, le four il arrête pas de faire bip. Attends, je l'ai vu faire le bétail. Mais mettez-moi le plateau du four, s'il vous plaît, je veux faire du pain.
Boogie Boo. C'est le frigidaire, non, c'est pas le frigidaire, mais le congélateur, non. Ah, bah, elles sont réapparues, les assiettes. Ouf, ça. Non. Bah, là. Moi, il faut du jambon. Sorti de ta poche, quand même. Ouais. Mais elle se réparait comment? Mais c'est pas possible. Voilà. En fait, j'ai mis une boucle. Ouais. Une bête de boucle. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Deuxième partie, j'ai rendu service. La deuxième partie. Merde, la fois, elle est où? Et le rat. Crame déjà, j'en ai marre. Le rat qui se barre avec le fromage. C'est pas censé cramer. Merci. Merde. C'est bien, on a plein de pain cuit. Il y a certains trop, malheureusement, mais... Est-ce qu'il y a des trucs du bordel, là? Il y a le sacrame Sacrame, ou... Faut pas si vous les assiettes. Allez, le noir sur la plage, ça pour les mouettes. Allez, vous. Oh! Ça a disparu. Oh, putain, mais... Des bugs de collision, là. Oula. Hop. Ah, pourquoi ça cuit plus? Ah, oh, merde. Il y a des bugs de collision trop nombreux à l'endroit. C'est vrai qu'il y a des scénarios qui sont difficiles à 4. Bah, là, c'est trop petit, en fait. Exigu. Ouais. Oui, voilà. Ouais, ça veut dire qu'on n'est pas, pas à notre place, en fait. Ah bon? Oui, chacun doit être à sa place, en fait. Il y a un lave-vaisselle, un au four, un autre à la découpe, un dans le frigo, en lieu. Et un aux assiettes. Il y a plein de plats, Ah, aux assiettes. Qui veut quoi? Oh bah, la blague, je vais pas la faire trois fois non plus. Vous avez besoin de quoi comme ingrédients? Mes assiettes. C'est assiettes. Je vais prendre des trucs au pif, je vais prendre Tuna. Non, prends pas au pif. Tuna, prends un saumon, s'il te plaît. Un saumon? Bah, c'est pas du saumon, c'est du. Ton Tuna en anglais. Quelque chose d'autre aussi? Tunay. Concombre. We need a tunay. Vous voulez quelque chose d'autre ou pas? Du concombre. Du quoi? Concombre. Ah, concombre. Cucumber. Allez, encore ou pas? Besoin d'autre chose? Qu'est-ce qu'il veut? Ah oui, du jambon. Jambon. Alors. Allez, c'est bon, jambon à la commande. Vous aurez vu, spectateur, si la poêle n'est pas posée à plat sur la plaque d'induction, ça ne cuit pas. Je l'avais en biais, en décalé, ça ne fonctionnait pas. C'est d'une logique implacable. T'es sûr que c'est induction? Oh, écoute, l'équivalent. Hein. Attends, il y avait un sandwich saumon. Raison. Un saumon, un thon. Non. Un tuna sandwich à faire, mince. Alors, deux cuits de nain et du concombre. Bordel. Attends, c'est là. Quelqu'un du cucube. Du cucube. Non. Oh, un petit cube. Tu t'es fait renverser par le camion. Faut le couper. Faut le couper, le concombre. Oui, je le coupe. Au secours. Oui, il coupe. Coupe le concombre. Ah, je le gourdin. Le gourdin, je t'apporte le gourdin. Plus toi. Mais c'est dur, merci. Encore une fois, faut le couper deux fois. Voilà, le pignon encore. C'est dur. Une fois c'est rondelle et deux fois c'est petit cube. Oui, tu as raison, tu me saignes. Ma trollerie a coûté 3 étoiles. Hein. Et bah, disons, canaillou de Nayonnais. Et pour que les assiettes. Hein. Vous voulez encore un autre scénario? Vous voulez quoi? Mais on n'est pas organisé du tout. Oui, c'est ça le problème. Pourtant, il y a une dynamique réelle à mettre en place. Un qui. Et dans lequel. J'avais joué avec Edgy, moi je m'occupais de faire la vaisselle et de servir les clients. La bête venue du Nord, je vous conseille. Déjà, c'est beau. Et moi qui suis pas trop blonde, j'ai apprécié. Je préfère très nettement les brunes en bière. Tu me permets de faire la critique. Bonsoir, je crois Hamster, j'espère que tu vas bien. Que tu parlais, je me suis comporté comme une blonde. aussi, mais moi, on ne me sirote pas encore. Bonsoir, Aérosteur. Bonsoir, Aérosteur. N'importe quoi. Alors, Aérosteur, ça s'est bien passé? C'est bien, tu fais plein de directs au quotidien. De ton côté, c'est cool. Eh, le sage, j'ai une petite remarque. Là, on est tous dans le canal Twitch, mais pas sur le canal One Armand. Ah oui, on est passé en direct et on n'a pas de parasites, donc on peut rester dans le direct. Mais tu as raison, dans le principe, Twinsen. On va bien dans l'ensemble, Aérosteur. Bah, comme tout le monde sait, on respire mieux depuis 24 heures. Ouais, tranquille, bon, c'est bien. Que ça se passe bien de ton côté, Aérosteur, c'est cool. Parce que de temps en temps, je te passe te faire des petits coucous, mais vraiment, elle est loin de l'époque d'il y a un an, ça n'a rien à voir. Mais bon, concours de circonstances qui fait que. Alors, qui veut quoi comme scénario?
qu'est-ce qui vous fait envie? Je connais pas les scénarios. Qu'est-ce qu'il y a comme scénario? Les glaces, on les a pas fait non plus ensemble. Ah bah les glaces, allons-y. On a pas fait les glaces, c'est assez facile. Ok. C'est le plus simple. Ouais, ouais, c'est bien. Donc on devrait y arriver. Là. J'espère. Oh, pas mal ta couronne, Tunsen. Nana mouche pourri. Le roi, la reine mouche pourri. Ah oui, tiens, et l'autre jour, on a vu ton pseudo qui a changé de marionnette, il est passé en Marco, c'est normal? Je sais pas, non, j'en sais rien. Bah, il a plusieurs pseudos en fait, Nayane. C'est oui. Marco ou Froboz. C'est un pseudo que j'avais avant, oui. Ouais, ouais. Oui, j'ai un pseudo que j'avais avant. C'était pour une trace ça, ouais, de l'ancien. Ça arrive. Ah, c'est qu'on n'allait pas le voir, mais on voit tout. On voit c'est tout, ça. Je vois tout. Bah, on peut pas cacher, on peut cacher certaines choses, on peut pas tout cacher, c'est pas possible. Non, mais on se l'avoue, on sait déjà que tu es une scène depuis qu'on le connaît, il travaille pour les renseignements généreux. Alors rien ne lui échappe, rien. Avec Jean-Marc, avec Jean-Marc. Il ne le dit pas, mais il connaît la couleur de notre slip qu'on a enfilé ce matin, sorti de la salle de bain au lever. Il le sait déjà. Ouais, il est marron. À l'arrière, il est jaune devant, c'est ça, il est bicolore pour l'hygiène. Voilà. Ça parle mal. Van des inconnus. Qu'on embrasse. Attends, mais on ne sert pas 50 000 clients à la fois. Mais oh. Si, attends, ça peut s'organiser. En principe, il devrait faire deux rangées. Pour acheter des trucs pour le congé. Allez, une bonne commande de bonne déjà. Alors, tu passes 4 rangées. Un parfum de chaque, ça fait combien? Ah, ça y est, il est. Ah non, il y a quelqu'un qui commande. Il veut quoi? J'ai l'infirmier là. J'étais pour, mais on n'a pas assez de thunes en fait. Merde, un raspberry, c'est celui-là. Faut vraiment démarrer. Elle t'a oh merde! La couronne Tunsen, j'adore. Déjà, le chapeau brocoli de Christella, c'est stylé. En fait, il y a voilà, Nayone dans le bout qui est ringard. Excuse-moi de te le dire, mais. Ouais, mais normal, tellement... il a pas beaucoup d'heures de jeu, donc. C'est voilà, ça. T'es trop conventionnel, Nayone. Faut jouer plus souvent. Il y a un barbu qui arrive, attention. Il y a un barbu qui arrive. Oh là là. Celui-là qui est en rouge, là. Il a une barbe bizarre. Oui, c'est merde. Ben Aguilar. Oh, j'ai mis deux. J'ai mis deux glaces, tant pis. Oh, j'aime beaucoup les corps dehors. C'est pas ce qu'il voulait, Christina, il est déçu. Oui, j'ai mis une boule en plus, donc bah, tant pis. Une boule en plus, il est râle. C'est ça. Ouais. Et mon régime, madame, c'est scandaleux. Oh merde. Ah, mais pourquoi il me remet deux boules, cet idiot? Mais. Les boboles. Comprends pas. Quand même, allez, c'est du sucre et du sucre et du lait. Donc, ouais, il va leur commander des cornets de glace, par contre. Oui, oh, j'y vais. On est d'accord. Ah. Allez, hop. Je vais en prendre 4 x 10, 40. Allez. Une. Ah. Allez, pas autant. On veut plein de cornets. Merde, il est où mon. Ah, Nayonette, tu m'as fait peur. Aïe. Ah, mon truc, il est parti par terre. T'as vu, t'es parti à la poche. Mais non, mais t'as mis une boule de plus. Mais alors, c'est oui. Mais non, mais qu'est-ce qu'il. Il a pris le cornet, l'autre. Je sais pas si Aerostar m'écoute encore parce qu'il a la sympathie de dire bonjour à tout le monde sur les 550 chaînes qu'il connaît. Non, mais c'est adorable. Oula, je vois à peu près comment. Et moi, je vous donne ça. Aerostar. Non, mais il est adorable. Il essaie de dire bonjour à tout le monde. Même le matin, il passe sur les Discord de tout le monde. C'est... Je salue parce que moi, ouais, je. Ouais, après, c'est un copier-coller après, hein. Non, mais c'est là où on reconnaît les gens qui sont sociables, même par écran interposé. Aerostar, il est magnifique. Non, bref. Oui, Aerostar, pour te dire que le jeu qu'on fait, là, les One Armed machin. Ah, merde, je suis parti dans le camion. La cuisine, comme actuellement, qui est. Ils m'ont embarqué, j'ai les ramassé les. À l'instar d'un Payday, en fait, qui est One Armed Robber. Comme j'héberge le serveur et qu'on peut jouer à 4, si un jour. Bon, là, on est 4, hein, ça marche bien aujourd'hui, jour férié. Mais si un jour l'envie te dit de venir jouer, tiens, n'hésite le pas à télécharger de ton côté. Alors c'est sur PC, hein, c'est pas sur console. Mais ça, tu pousses pas la porte. Oui, excuse-moi, je me bats. Oh là là là, il parle et puis il bouge pas. Oui, pardon, je sais, j'étais sur la voie de circulation principale. Bref, tu sais que t'es bien venu, Aerostar. Wally, Wally. Mais c'est quoi ce cornet de glace dans le salon? Bah, j'ai abandonné une glace à la vanille, c'est pas bien. Ah! Elle est tombée dans le bac de. De parfum bizarre bleu. Le blueberry, bébé bleu. Alors, c'est en illimité là aussi, il y a du temps, il y a quoi là-dedans? Non, on est dans la pression normale du commerce, il reste 700 secondes. De toute façon, plus on fait des trucs, plus on gagne des secondes, non? C'est ça, exactement. Voilà. Et vu qu'on n'est pas rentable et qu'il y a commencé à avoir un peu de queue. C'est ah bah ça. Si, moi je travaille moi. Il y a une. Tiens, moi j'ai un côté. Qui c'est qui me remplit? Oh mon dieu! Oula!
N'ayez surtout pas l'esprit mal placé comme moi, parce que les trois phrases affirmations tu veux quoi à la suite, c'est tu veux, moi, vas-y. Le monsieur, il veut du chocolat, tiens. C'est très voilà, du chocolat. Sers le chocolat. Là, lui, le chocolat. Je suis un jeune homme, là. Coffee, strawberry, mais débrouille-toi, oui. Là. Oh, il n'y a plus de glace. Il faut commander des glaces. Quel parfum, quelle couleur? Strawberry. Tu peux tout commander en un congélateur. Oui, c'est vrai, on a de la thune. Tu as raison. Non, mais c'est vrai. C'est comme ça que ça marche. J'ai pris des 6 parfums. Allez-y. Oula, pardon, monsieur. Voilà, ça y est. Il a pris dans la tronche la glace. Notre fortune est faite. Ouais, on attend le livreur avec impatience. Le voilà. Par contre, comment elles arrivent, les glaces? Non, elles arrivent en bac avec un fond derrière. Donc il faut que j'enlève le bac qu'il y a alors. C'est quoi ça? Moi, ça se passe qu'il y a un bug. Monsieur, faut que vous êtes en. La vache, il est dur. Ah oui, il a pris un virage serré, le monsieur. Oui. Ah oui, ok, donc attends. Il a pris un virage serré. Hop. Ah, ça jette pas ça. Fond gel. Ah. Bah, comment on vire les. On vire quoi? Bah, Kian, je vais prendre les glaces directement. Ah, normalement, tu vas pouvoir. Ou alors, il y a un bug. Ah, si, c'est bon. Ah, ouais, je prends le chocolat. Oh mon dieu, il y a une collision, là il y a des cartons vides, allez, allez-y. Oui, j'arrive pas à la mettre la glace. Attendez, je vais sur la place, ça compte comme. Café. Oh, une glace au café. Merde, il y a un petit. Toi, Nayonet, tu es en train de dicter. Bonjour, une glace au caramel, s'il vous plaît. Une glace au caramel. Alors lui. Une glace au caramel, sinon je casse tout. Mais non, mais il y a pas rien sur le livreur, mais barrez-vous. Mais on est d'accord, il faut aller dans le camion. Si, il y a quelque chose. Ah, raspberry, il n'y a plus de. Eh, perdez pas la marchandise, vous êtes fous. Il manque un pack de glace. J'arrive, raspberry, j'arrive. Attends, il arrive, il est là. Blueberry. Il est là, le raspberry. Voilà. Le camion, il peut pas partir parce qu'il y a des camions. Il est dans le mur, les cartons. Un bloc. Oh là, il est censé, monsieur. Vous pouvez rouler dessus, si vous voulez. Voilà, merci, au revoir. Ah! Attends, lui, il veut quoi? Il a. Ouh là là, il a éjecté le carton. Wow, la glace, elle a failli voler en l'air. Voilà, c'est la. Le bordel. Oui, comme tu dis, c'est le boxon. Alors, les petits cônes aussi, il faut les ranger. Ah, strawberry. Oui, non, mais on peut jeter. On peut jeter ça. Quelqu'un à l'arrière pour jeter des déchets, s'il vous plaît, merci, parce que là, il y en a trop. Je vais m'occuper des déchets. On n'a pas besoin de ça. Merci, monsieur Nayonet. Vous êtes le meilleur. Je sais pas. Pour l'instant, le chat, il faut. Ah. Pour l'instant, je m'occupe du chat. Il est dissident, le petit réglisse qu'on adore et qu'on embrasse. Bordel, hein, les bacs de glace. Waouh, en même temps. Mais qui c'est qui a laissé sa glace? Attends, c'est quoi le délire? J'ai une boule de glace café qui est collée au manche de la cuillère de. Bah, ça devait être une erreur. Oui, bah. Ah, il est pas content. Oui. Attends. Comment ça, il est pas content, Régis? Il a pas assez croquettes. Oh, le bon temps. Je reviens. C'est un chat de luxe. C'est ça. Voilà, j'ai libéré la. Et vous avez gagné une glace. Bonjour, messieurs, dames. Merci de vouloir faire la. Oula, oula. Je peux vous passer. Ah, il y a le bac de glace qui s'est. Les bacs de glace sont bons. Ah, fais gaffe. Alors une fois j'ai eu le malheur d'avoir un bac de glace qui est tombé au sol, j'ai mis le pied dedans. Croyez-le ou non, mais je suis passé à l'angle opposé du magasin d'un pas. Ça a fait vouf. J'ai glissé, mais alors puissance 1000. Ah, Nayonet qui boude au coin. Il y a deux boules sur la cuillère, mais comment c'est possible? C'est bien, ça marche, il nous reste plus de 1000 secondes. C'est très bien. On gagne, on grappille des secondes. C'est beau. Attends. C'est beau. Là, j'ai une Nayonet noire qui fait pipi. Oh. Oh. Ouais, c'est vrai. Écoute le mur. Le Canayoux. Il y a du monde, là, quand même. Hein. De Nayonoux. Voilà. Ah, ils sont. Ah. Oula. Tu vois, de la cuisine. Mmh. Par ces temps, en été, ça donne envie en vrai, en fait. Les cônes, ah, c'est des cônes. Relou la cuillère. Prenez vos cônes. Il y en a 14 milliards. Strawberry. Mince. Pardon.
Ouais, ça se vide le bac. Attends, il est mal mis celui-là. Ça se vide le bac. Ta-da-da-ta-da-da. Voilà, j'ai mis un carton. Alors, hop, chocolat et coffee. Hop, ça, c'est poubelle. Donc. Hop là. Mais bon, c'est sûr que je suis pas le. J'essaie oula, de oula. Jouer avec la physique du. Attends, et pourquoi je t'ai attrapé la main? Je voulais pas. C'est ah couleur, ça, c'est café. Chocolat. Ah, bah, il nous manque les trucs à fruits roses et rouges. Je vais en recommander par avance, par précaution. Oh. Je vais pousser le truc, mais ça marche pas. Oh, tant pis. Bon, mais t'embête pas, hein. C'est chiant à mettre. Et je voulais pousser le truc et ça ne pousse pas. Je ne comprends pas. Je commence à avoir des bugs dans le jeu. J'ai des trucs qui se. Se mettent où il faut pas. Ah bon. Mais là, je viens par exemple de perdre un cornet de glace, il a disparu. Ouais. Ah, attends, il est parti au fond du magasin. Merci. Bien joué, Emmanuel. Ouais, il y a un truc bien homme. Ah, c'est pas ouvert. Ah, oh, mais non. Il a pris une mauvaise blague. Allez, d'ailleurs. Leur profil. On va y arriver. On va y arriver. Voilà, c'est fait. Et le camion, on va partir parce que. Mais si, on prend en otage le camion. Non, on bloque pas le jeu, pitié. Mais non, mais arrête, Nayonet, bloque pas le jeu, c'est une horreur. Oh, bonsoir, Bastos, comment ça va? On était chez toi au scénario précédent. On était sur la Méditerranée, Nice, tout ça. La fin des Anglais, on t'a vu à la fin. Oui, m'a pas pris la bonne boule. C'est une scène bonsoir, qui t'a vu modéliser dans le jeu en 3D. Comment ça va, Bastos? Ta journée s'est bien passée? Ah, il devait y avoir un monde fou un jour férié dans le magasin d'électroménager. Il veut pas partir. Comment ça, il veut pas partir? Oh, tu me sais, tu me fais faire des bêtises. Ah. Non, c'est pas la bonne. Oh, il fait des bêtises. Mais c'est pas la bonne. Moi, ça, c'est pas la bonne. Mais si, c'est la bonne. Oh là là là. T'es sûr? Regarde, c'est sûr que mes amazing. Ça a pas des hernies, soit Bastos. Franchement, j'ai envoyé un message par rapport à ça dans le convoi des compas. Mais du coup, je viens aux nouvelles ici. Ah, alors je te confesserai que j'ai même pas lu. J'ai vu qu'il y avait plein de messages. C'est un peu le bordel. Heures, j'ai rien lu. J'ai dit un bonjour général tôt le matin et puis je me suis enfui. Oh putain, mais. Ouh. Tu as bâché, j'en fous. Y'a plus de café. Allez, je change. Waouh, on est trop au même endroit. Y'a plus de café. Ah merde. Oula, café, trouvé le café. J'ai retrouvé le café. Oula, oh pardon, j'ai fermé. Ça tu peux peut-être aller dans le bac, tu ne sais. Alors, Bastos dit journée assez conséquente pour ma part, donc maintenant dispo pour jouer à des jeux s'il y a de la place. Ouais, c'est la terrible condition, c'est la place. Alors là c'est bête parce qu'on a fait un jeu où on est entre 4. Tout à l'heure, on a fait le supermarché ensemble, qui est pas mal. On peut monter à 16, mais on a changé de jeu. Oh, t'as plus de chocolat? Ce jet de bac de glace. Café, là. Et pas mal aussi, Bastos. Oh, putain. On a essayé le jeu de cambriolage de villa, là, avec les entités maléfiques. Je les avais là. Hein. Prologue. Ouais, on a réussi aucun casse. On en a fait deux qui ont mal tourné, mais alors punaise. Tu fais une glace. L'ambiance est terrible. Pourtant, on a était fait pas deux parties, hein. Deux entités différentes. On sait. Moi, perso, je me suis fait dessus. Le jeu. Ouais, j'ai réussi à faire un truc au moins dans cette session de jeu. Bah, bravo. Ouais, t'auras peut-être un cadeau après. Oui, si tu joues bien, t'as des cadeaux, Nayonet. Bon, oui, des habits, tout ça, des déguisements. Oui. Ouais. Oula. Il y a plus de blueberry. Ah, mais non, mais il y a plus de blueberry. Ouais. Je suis vilain, c'est bon, j'ai trouvé de la blueberry. Ah, ah on l'a gagné. Oh, 4 étoiles et pas 5. Waouh, on est monté de niveau, bravo. Comment ça, read review? Comment on fait read review? Ah, c'est des avis des clients. Waouh, c'est trop. Ah oui, ça, je veux qu'on me servir. C'est tout ce qu'ils ont dit en fait quand ils ont leur plat en fait. C'est ça. Ça, moi, je peux laisser ma place à Bastos s'il veut venir. Ouais. Pour ceux qui veulent moi manger. Moi aussi, je vais. D'accord. Je vais céder ma place aussi. Allez en cuisine, Bastos. Mets ton tablier. Ouais. N'hésite pas à nous rejoindre, Bastos. Attends. C'est un jeu gratuit. C'est un jeu gratuit. C'est ça. Ouh, j'ai des cadeaux. Scénario. Ah, attends, Bastos, je sais plus, il connaît pas trop le jeu. Il faudrait peut-être faire les hot dogs en facile pour démarrer. Pour. C'est quand la prochaine pause? Bah, tu peux la prendre quand tu veux. Ah, mais pour les manger, je veux dire. Bah, moi aussi, faut que je mange.
Parce que moi j'ai un truc qui est un petit peu en cuir, je vais peut-être le mettre maintenant. Comme tu veux, vas-y. J'ai attendu une partie. Ouais, d'accord. Mais je reviens dans 2 minutes, même pas, hein, c'est pas long. Fais. On n'est pas là pour courir, Zen. Regarde, moi j'affuse le direct et le serveur de jeu. Je me barre pour cuire des pâtes, alors. T'en fais pas, ça se. Vas-y. On va essayer de se faire les hot dogs. Les hot dogs, c'est facile. Si tu veux nous rejoindre, Bastos. Alors, moi, je vais. Si je peux, je vais essayer de changer d'apparence. Si je peux. Non, là, je peux pas. Il m'a pas rechargé mon truc. Bastos dit j'installe le jeu alors. Ouais, vas-y, Bastos. On t'attend. Tu vois, c'est une expérience très intéressante. Et d'ailleurs, le temps que tu installes le jeu, si tu le souhaites, tu es invité évidemment à nous rejoindre dans la direct, enfin dans le direct vocal de Discord sur mon serveur Bastos, bien évidemment. Ça t'évitera de faire une saisie clavier. Oh non, il y a un petit bug, je peux pas changer de tenue. Ah, c'est dommage. Et c'est comment le jeu de supermarché? C'est supermarket ensemble. Together. Supermarché ensemble, ouais. Supermarket together, comme dit Christophe. C'est un free to play. Hein. Moi, oui, il est gratuit. Ouais. C'est supermarket. Ah, il est en mode. C'est ça que tu veux en fait. Early access, j'ai trouvé. C'est bien. Voilà. Et actuellement, nous. C'est One Armed Cook. C'est ça qu'on fait. Waouh, j'ai dévoré plein de trucs, mais je peux pas jouer avec, il y a un bug. Ouah. Comment ça, DLC? J'ai déjà acheté les contenus additionnels, monsieur. J'ai la chance d'avoir déjà tout ça. C'est merveilleux. Revenez au jeu, s'il vous plaît. Catering. Ah oui, non, mais Catering, c'est les quartiers avec les défis. Bon, bah, je reste en tout bleu, moi. Peut plus changer d'apparence, moi. La 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 la. J'attends que Bastos s'installe le jeu. Je pourrai l'inviter. Il pourra configurer ses touches après. Pas très loin installé normalement. Oui, c'est un petit jeu bien sympa. Oui. Ah, j'ai perdu 1 degré chez moi. Tant mieux. C'est un peu plus vivable. D'ailleurs, je me demande si je vais pas profiter de ce moment de flottement pour fermer mes volets et basculer en lumière artificielle. Allez, si. A tout de suite. Je vais faire ça, oui. Comme ça, au moins, ce sera. Je serai top confort de la roue. Voilà. J'arrive.
Le ventilateur de du singe qu'on entend. Je crois. Non, je crois que c'est le micro. Ah. Que tu vois sur le Discord, il y a le truc vert tout autour de son image. Ah oui, oui, tout le temps allumé, ouais. Mais il a dit qu'il avait mis un ventilateur pas loin de lui. Peut-être. Je vais voir si on peut débloquer les apparences, enfin, voir le jeu. À chaque fois que tu passes un niveau, il te débloque et il te fait un cadeau. Ah, tu parles dans le supermarché, non. Oui, dans le supermarché, oui. Oui. Supermarché, non, on a une tranche de cake, tous. Je le ferai après. Alors... Oh, je fais vœu que Bastos nous ait rejoint en vocal, j'entends rien encore, j'ai perdu mes oreilles. Faut nous réinviter. Ah, pardon. Alors, attends, j'arrive. Voilà, Bastos, il est là. Bah, pourquoi je peux pas cliquer sur Bastos? Ah, il y a eu un moment de latence parce que une scène arrivait et le jeu saturait. Voilà. Ah, voilà, quelqu'un est arrivé. Bonsoir. Nayonette. Bonsoir. Non, tu manges encore. Non. On est d'accord. Oui, ouais, oui. J'ai fait les courses. Doute. Tu nous parlais à la voix. Non, c'est la voix. La voix. Comment on fait pour aller à droite? Ah, il faut que tu remappes tes touches. Mais je walk forward, ça c'est bon. Walk backward, c'est bon. L'arrière. Mais j'ai que walk left, j'ai pas walk right. Si, je te tue. Ouais, j'ai input. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, t'as pas un écran comme moi, Bastos? Non, à la place de walk right, j'ai input. Bah, tant pis, ça veut dire right quand même, non? Enfin, mets une touche, tu verras bien. Ah, t'as un bug qu'on n'a pas là. Alors là, c'est énorme. Super, comme d'habitude. À chaque fois, j'ai des bugs que les gens n'ont pas. C'est magnifique. Non, mais c'est unique, c'est normal. Ouais, je vais commencer à y croire. Ah non, mais c'est fou ça. Alors, c'est news. Sinon, tu fermes le jeu et tu le relances. Au pire, ouais. Donc, c'est un jeu encore récent et l'équipe a sorti un troisième jeu qu'on fera peut-être un jour, mais bien plus tard, parce que là, il ne m'intéresse pas spécialement, qui est un jeu de vilain trafic de drogue, là. Un autre jeu de vilain. Mais j'ai plaisir de m'être inscrit là il y a peu dans le Discord des développeurs du jeu. C'est deux individus qui conçoivent le jeu. Et leur Discord est bien fichu. Ils ont fait un salon spécial où on peut leur remonter les bugs. Donc s'il y a vraiment des bugs gênants, là je les collectionne et je fais le point avec la communauté internationale de joueurs, les bugs qu'ils ont remontés. Et si c'est pas dans la liste, bah forcément je publie un billet pour leur dire eh oh, j'ai une exception encore pas gérée. Merci de corriger le programme. Et en fait, le premier billet que j'ai mis hier au niveau de leur serveur Discord, souvenez-vous, c'était le bug quand on faisait le bar. J'étais avec Twinsen et Christella. Le problème de livraison de caramel dans le bar Babacool l'a posé. Le problème, c'est que l'objet 3D apparaissait hors du camion, mais l'objet apparaissait décalé dans la zone non jouable. Donc, ah oui, la livraison de caramel n'était pas accessible. Donc c'était une pure perte et j'ai fait le clip et je l'ai notifié aux développeurs qui corrigeront dans les prochaines semaines. Vraiment. Voilà, voilà. Je vous ai identifié dans le salon autre jeu parce que j'arrivais pas à mettre dans le direct Twitch la photo. Merci. Ok. Du bidule. Ouais, ah ouais, c'est fait bien Bastos. Merci. Attends, je vais quitter le jeu et je vais le relancer, on sait jamais. Allez, oui, quoi, t'as pas tort. Essaye voir. Je te remets la main si tu veux. Comment on quitte ce jeu? Ferme-moi le jeu. Alors, mort. Ah, voilà. Tu vas dans le bouton mort en haut à droite mort, et tu vas dans kit. Ouais. Mort kit, c'est t'as bon. Beaucoup de choses de menu dans le bouton mort qui est planqué en haut à droite. Ouais, c'est Deep Rock Galactic. Ouais. Nayonet. Voilà. Et je te harcèle en un minute game. Je vois pas ce que tu veux dire, j'en ai eu 22. Ton écran sature d'invitations. Tu n'es pas du tout demandé, Bastos. Pas du tout. Alors, join game. Est-ce que ça marche? Join game.
Bien sûr que non, sinon c'est pas drôle. On va faire des hot dogs chez Henri. C'est un scénario de cuisine facile. Va falloir gérer des bacs de frites. Ça se paramètre à la manette, sinon ? Ah, jamais essayé. Je sais pas si je joue à la manette. Bon. Ça doit être dur à la manette, ce jeu. On va dire ready. Savoir, ouais, à la manette, ça doit être dur. Ça doit être dur. Twitch, il porte la couronne. Ce style. C'est rigolo. Mais franchement, j'aime beaucoup le jeu, en tout point. L'idée, le modèle polygoné en 3D, j'adore ça, à l'ancienne. Je trouve que c'est du pur génie, ce jeu. Ce jeu est simulateur de cuisine. De cuisine, et je me demanderais même s'il n'y aurait pas un jeu où justement, oui, il y aurait à la fois ce jeu comme dans Wonder Cooked, oui, et aussi d'un autre côté, jeu de gestion comme dans Tavern Master, qui est un jeu de gestion, et puis c'est, tu sers des gens dans un bar, en fait, tu sers à manger, tu sers des, tu sers des boissons, tout ça. Mm-hmm. Donc, tu sers la carte. Voilà. Non, pas les jeux de gestion, non. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a. Ouais. Ce que je veux dire, on, en fait. On n'a rien entendu. Il y en a un qui, je peux dire, le côté gestion et les autres qui font le côté FPS. Non, oui, c'est pas dans l'optique des développeurs, c'est pas dans leur idée, je vois ce que tu veux dire. Mais... Après, peut-être un autre jeu, hein, je sais pas. Oui, alors là, tu continues, on déroule la pelote, on te connaît, Nayone. C'est dommage qu'ils fassent pas un jeu de stratégie à une main. Gestion stratégie à une main. C'est un concept. Est-ce que NMP ou aussi appelé Nanamukipori pourrait se mettre ready? Ah bah ça me dit rien, moi. Are you ready? Donc hot dog, t'es toujours hot dog, c'est bon, on change pas? Oui, on fait le hot dog. Bah oui, il faut quand même que Bastos, c'est un scénario facile pour débuter quand même. Le pauvre, on va pas le mettre dans l'espace avec le manque de gravité. Oh, j'ai un gift. On m'a donné un gift. Les Blue Dreads. Faut que tu prennes tes repères, mon pauvre Bastos. Au début, c'est toujours difficile. Mais après, tu prendras tes... Alors, ZQSD, ça marche tout. C'est pas le scénario KFC avec les bacs à frire. J'ai rien dit. Excusez-moi. C'est ce que j'avais fait avec AJ, ça. Oui. Oulala. Attends, je saute par-dessus le comptoir, là, parce que je suis coincé. Qui c'est qui me bloque? Ouais, tu ne sais pas, vous l'avez fait un peu plus de pouce. Ah, Mickey. Bonjour, messieurs, dames. Ah, je vais te tuer. Alors, tuer. Attends, bouge pas, il y en a un autre. Vas-y, viens. Bah, tiens. Tiens, ta gueule, tiens. Mais ils sont fous. Alors. Ils sont fous, j'en ai fait tomber une assiette client, moi. Bonjour, messieurs, dames. Je prends les commandes. Vous désirez. Ça, c'est quoi? C'est de la... Attends, c'est quoi? C'est de la saucisse ou c'est du beurre? Merde, j'ai fait tomber. Alors, t'as du pain, saucisse. T'as du pain. Allez, vas-y. Fais-moi cuire ça. Le pain, faut le cuire, le pain. Bah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et il faut couper parfois aussi, ça dépend ce que commande le client. Parfois, il veut le pain complet ou le pain coupé en deux. Non, tu m'as envoyé ma saucisse à côté. Voilà. À chacun sa saucisse, monsieur. Le pain ici et la saucisse. Monsieur Liwezo, bravo pour le pignon, monsieur le livre. Oh la vache, j'ai tapé le mur. Attention, on va en flotte, il y en a qui va cramer. Oh non, crame pas les choses. Ah non, c'est bon. Putain, comment on coupe? Couteau. Non mais merci, mais on doit faire... Et tu essayes de mettre la lame au niveau de l'aliment qui va se couper. Oui, c'est bon, mais le morceau de pain est de retour dans son frigo. Ah bah ça c'est dur, ça. La physique, elle est terrible, hein. Mais ça fait tout le charme du jeu. Oh, ça crame! Ah bah non, commencez pas à cramer les aliments. Oui. C'est ma deuxième minute. Qu'est-ce qu'il fait, le sage, là? C'est ma deuxième minute de gameplay. On a pas de place. Oui, bah, je stocke à l'extérieur du magasin. Les rats vont adorer. C'est pas hygiénique. Vincent, ta saucisse, elle est brûlée ou pas? Il y en a deux qui sont propres, là. Qui sont prêtes. Ne surtout pas détacher nos propos du contexte, sans quoi c'est très étrange. La. Et mes hommages à madame. Attends, lui il veut quoi? Un plain hot dog.
Il veut un hot dog dans l'avion. Oui. Il veut un hot dog dans l'avion. Il veut un plain hot dog. Comment ça? Là. C'est les mais deux non, mêmes. C'est pas la même orthographe. Non, c'est pas flat. C'est pas flat. P-A-L-A-I-N avec P-A-A-N-E. Plain ah, une plaine. Plaine et plain. Plaine hot dog, tu prends plain. Du pain. Plain, plain. Et tu mets une saucisse. Ouais. Dessus ou à côté et tu donnes l'assiette. Vas-y, va donner l'assiette. À qui? Bon, yo, monsieur, oh, monsieur là. Ah, bah attends. Le monsieur, il veut juste une saucisse. Quelqu'un a juste une saucisse? Ah, lui, il veut un saucisse, j'ai une brise. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Ah, bon. T'es trop vite. Ah, y'a un rat! Oui, alors, c'est pas grave, les rats, on va les gérer. Le monsieur, il veut juste une saucisse, si vous avez une assiette. Oui, c'est pas grave, étant par terre, c'est pas grave. On a rien vu. Le service d'hygiène. Oui, alors service d'hygiène, on oublie. Elles sont où les assiettes, du coup? Ah, elles sont en dessous. D'accord. Oui, aussi. Mais non, mais il y a trop de cartons au PPPC, là. Attends, je lave les assiettes. Mon pain, là. Mon couteau, là. Si quelqu'un veut servir la saucisse de... Enfin, pardon. De monsieur. Oui. C'est le jeu. C'est le jeu. On va servir la saucisse de monsieur. Il y a pas de saucisse de prête. Le dernier cadeau que le jeu m'a fait, c'était une cagoule. Je veux pas savoir pourquoi. Hop. Et là, la saucisse dans l'assiette. Donc, c'est pour qui? C'est pour... Alors, le sausage and bread, c'est une saucisse et du pain cuit, mais non ouvert. Attention, hein. Oui, c'est donc, la saucisse, c'est juste pour monsieur, hop, que je lui envoie pas dans la gueule. Voilà. Voilà, parfait. Allez, à la plonge. On a dit à la plonge. Voilà. Vous voulez quoi? Lui, il veut ready to order. Bon, dis-moi. Une saucisse et un plain hot dog. Allez. Donc. Oh, magnifique, j'ai plein de saucisses cuites de prête. C'est merveilleux. Parfait. Ah, j'ai fait un petit stock de saucisses prêtes. C'est très bien. C'est t'as une par terre, c'est pas grave. Hop. Ouais, tu veux ta saucisse. Voilà. Super. Hop. Non, ah oui, ça n'a pas marché. Voilà. Attention, couteau. Bah, ouais, tu veux un truc qui sont passés où là? Plain hot dog. Qu'est-ce qui est passé quoi? J'ai pas de soucis sur ma plaque de cuisson et tout est parti là. Ah, c'est pas normal, moi j'ai tout sous les yeux, t'as un bug. Bah, tout est en dessous de toi dans ton carton. Merde. Oui, tu dois avoir un bug, Tinsen. Je suis navré. Hop, il me faut une assiette pour lui servir à lui son plain hot dog. C'est bien, on est en train de faire des saucisses à tour de bras, c'est très bien. Si quelqu'un veut débarrasser du balcon, viens ici l'assiette. Du balcon, oui, c'est bien. Débarrassez-nous de ce balcon là et nous en. C'est ça, merci. Mais j'arrive pas à saucisse. Mais la saucisse dans. Voilà, désolé monsieur. Hop, voilà, yes, oh. Allez, de l'argent. Bah, qu'est-ce qui se passe avec la saucisse? Le cul aussi. Allez, hop. Vous voulez quoi, messieurs? Une saucisse, pareil, et un plain hot dog. Allez. Qui veut un racu? Est-ce qu'on a une saucisse de prête? On a un racu, ça se voit. Tonsen, donne-moi une saucisse. Mais il y en a plein, là. Ah, bah, pas du pain, là. C'est quoi, ça, ce carton? Ah, hop. Mais c'est un carton vide. Poubelle, voie publique, le carton. Il y a c'est... du pain qui sont cuits, là. Je suis en train de faire du pain cuit, là. Tiens. Hop. Bravo. Et le rythme et un plain... Un plain hot dog. Voilà. Alors le pain que je cuis, je coupe. Le pain que je cuis, il n'est pas coupé. Attention, hein, je précise. Hein. D'accord. C'est à vous de couper selon les commandes. Et le coupe que je cuis, il est peint. Un plain hot dog, du coup, c'est coupé. Allez. Allez. Et bah, t'as un leader 7 hein, là-bas, si tu veux. Oh voilà. C'est pas très hygiénique, mais le rythme est bon. Non, ne pas faire cuire le couteau dans la planche. Merci. Voilà. Et. Hop. Bon, je sais pas comment on tient cette assiette, mais elle tient par l'opération du synthétique. Tenez, monsieur. Voilà. L'assiette de méditation. Faites pas attention au rat, messieurs, dames. Allez, une saucisse. Il faudrait, si possible, mettre les assiettes sur la table, comme ça on accélère encore. J'ai fait trop de saucisses à l'avance, là, pour que je me calme. Voilà. Je vais m'occuper des assiettes, parce que là, il y en a plein qui sont en fond de bail. C'est ça.
Et il faudrait les mettre à chaque fois sur le bureau, comme ça on peut remplir. Et hop. Il y a plein de pain cuit et de saucisses qui sont cuites, hein, si vous voulez. Hein. Ouais, ouais, t'inquiète. Hop. Et toi, il te faut donc une saucisse. Hop. Et un pain coupé. Alors, un pain coupé. Un pain coupé. J'ai pas dit un pain complet, j'ai dit. Voilà, un pain coupé. Coupé, décalé. Hop. Oh, mon pain, il est parti. Magnifique. On a plein de stock. On peut le faire, les garçons. On peut le faire. Pourquoi t'as acheté l'assiette avec les saucisses? Il est où? Voilà. Il y a du stock de bouffe là. C'est voilà, monsieur. C'est très bien, c'est comme ça qu'on fait. On est les meilleurs, on va y arriver. Bonjour, messieurs, dames, vous désirez un plain hot dog et un sausage and bread. Ok. C'est extraordinaire. Oui. Donc celui, ah, il veut. C'est quoi cette saucisse? Lui. Attends, elle est cuite cette saucisse. Voilà. Et un pain. Tout est cuit en saucisse, hein, qui sont là. Ouais, ouais, bravo, bravo. Attention, hop, j'aimerais passer. Vas-y, merci. Vas-y, vas-y, vas-y. Hop, donc le pain and bread, c'est pour toi. Hop. C'est ça. Et l'autre, par contre, il veut un pain ouvert. Alors, l'eau, on la paye pas, donc c'est honteux. C'est pas. C'est auto-wash. On peut laisser ouvert le. Ouais, le. Au moins, ça lave les assiettes. On continue dans les billets, évidemment. Voilà. Alors, attends, on a encore des. Waouh! Il y a tout qui se mélange au niveau de la physique. Oui, attention. Ouais, c'est pas évident. Les collisions, c'est terrible. On s'est percuté. Et c'est voici bien. Pour vous, monsieur. Il y a des saucisses qui Mais putain, il a pas pris la saucisse. J'aurais pas dit ça. Waouh. C'est le stress. Bravo. Hop. Il me faudrait une saucisse là-dedans. Voilà, une saucisse. Là. Bien, je vois, Bastos, bravo. Pour un premier scénario, c'est bien. C'est incroyable. Attends. Reviens dans 3 c'est heures, l'homme à la... dans l'espace. C'est l'homme saucisse. À la saucisse. C'est l'homme à la saucisse. Pain, saucisse. Saucisse. Voilà. Allez, tenez, monsieur. Voilà. Allez, ça, ça fait... Oh. Mais pourquoi elle... dans mais pourquoi ça fait des boomerangs? Je sais pas. Et puis les options de la moutarde, elle est au sol. Je peux pas la ramasser, la moutarde. Bonjour, vous voulez quoi? Un sausage and bread et une saucisse. Ok. Bonjour, messieurs. Sausage and bread and plate at the egg. Okay. Alors, sausage and bread, you're voilà. Welcome. Et une saucisse pain coupée. Le pain commence à diminuer, donc je vais cuire du pain. Saucisse and pain. Saucisse. Hop. Oh, et attends, il faut couper ça. Où est le couteau? Les couteaux sont à l'opposé. Là, là, ils étaient plantés, c'est bon. Oui, oui, je les ai là groupés parce que c'est le bon. Voilà. Vos bouffes, ça a l'air d'aller. Ah oui, on peut peut-être disposer des pièges à râle à ta gauche. Les pièges à râle. Voilà. Oh, je lui ai mis un coup derrière la nuque avec l'assiette. Le code de la queue de linge. C'est ça. Voilà, j'ai disposé. Bonjour, messieurs, dames. Une saucisse seulement, ok, une petite saucisse. Ça cesse. J'ai un peu de pain, si vous voulez. Hein. Allez-y. Et toi, tu veux une saucisse and bread. Allez, saucisse and bread. Je suis hop. À la plonge. J'ai envoyé ma saucisse trop loin. Attention les pains sur la cuisson. Oui, mais je suis en live. C'est bien, j'ai le temps de mettre mon. Parce que je vois ça et je. Ouf, je stresse. Hop. Ma saucisse. Bon, là vous avez du stock là, hein, en attendant. Ouais, voilà. Ouais, ça gère, bien. Hop. Il met des coups de partout avec les assiettes. Hop, tiens, hop. Voilà. Oh. Une saucisse and bread, ok. Saucisse. Eh, c'est bien, on a 500 secondes. Bread. On gère bien. Putain. Saucisse, et envoyé dans la gueule. Tenez, voilà. Hop là. Waouh, les stats, elles bougent. Hop. Il faut encore gagner $9 dans les objectifs de journée. Vous voulez
Ah, deux plain hot dog, ok. Donc, faut les ouvrir. Tiens, hop, le pain, tout gros. Hop. Oh. J'ai eu les deux assiettes d'un coup, ça m'a fait peur. Les assiettes. Attends. Elles sont là. Saucisse. Hop. Un jeu de côté, si tu veux. Hop. Voilà. Donc, le premier plain hot dog. Assiette, le sage, assiette. Assiette. Je mets les assiettes sur le plan de travail, allez-y. Hop là. Bonjour messieurs dames. C'est qui qui veut le deuxième le plat? Là. Non, pas de côté. C'est le deuxième client. Ouais. Il ne se oh, merde, non. Je l'ai lancé trop loin. Hop. Et un pain. Il arrive un saucette, j'ai un plein. Ouais, tiens. Oh putain. J'en ai marre. Hop. C'est quoi ça? Ça, c'est le sausage and pain. Wow. Pas coupé. Alors, c'est dommage d'avoir mis en jeu. Tenez. Il faudrait suggérer aux développeurs de changer. Et maintenant, il faut un. Hop. Maintenant, il faut quoi? Un pain et une saucisse. Juste un pain. Non, juste un pain. Vas-y. Hop. Voilà. Ah, wow, bien joué. Allez, donne la vaisselle, vas-y. Yeah, bravo. On est pas en mode libre. Bonjour messieurs dames, vous n'avez pas encore choisi. Bonjour messieurs dames, vous n'avez pas encore choisi. Bonjour messieurs dames. deux pains coupés. Deux pains saucisses. Un. Hop. Un. Oh, la saucisse, ça c'est pareil. La saucisse rebelle. Oh, j'en ai marre. Elle glisse nos saucisses. Voilà. Hop là, c'est bon. La moutarde, elle est au sol. J'ai pas compris pourquoi, mais c'est pas grave. Alors, tu verras le bar, Basto, si un jour tu fais un des bars avec nous. Oh putain. Si tu merdes la commande du dosage de ta boisson, tu peux avoir. Moi, j'ai clippé à un moment, j'étais mort de rire. Bonjour, messieurs, dames. T'as le client qui te renverse ton verre sur le comptoir avec un mépris certain. Mais ça, c'est la violence. Bonjour. Deux pains saucisses non coupés. Hop. Deux pains saucisses nous couper, un pain, hop. Oh non, ça virevole de partout. Voilà un premier. Ça virevole. On a le couteau qui est là. La moutarde, parce que la moutarde, hop. Oh, la moutarde, j'arrive pas à la reprendre. Tu peux pas. Elle est finie, la moutarde. Pourquoi les assiettes ont giclé? Bonjour messieurs dames, vous voulez quoi? Pain saucisse, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? On a beaucoup de choix. Moi, on a pain saucisse. Pourquoi ils ne commandent pas juste le pain? Ça pourrait être marrant. Ouais, mais ils pain coupé. Pain coupé. Hop. Pain coupé. Alors, référence culturelle, en France on dit que le client est roi, mais au Japon ça va plus loin. On dit que le client est un dieu. Le client est roi, mais il se permet des choses. Non, je suis pas d'accord avec cette phrase. Pour travailler dans le commerce, non. Non, le client n'est pas roi. Ouais, mais entre un resto et ce que tu fais, c'est pas pareil. Le client n'est pas roi du tout. Oh, hop. Qu'est-ce que le couteau fait dans l'enceinte de clientèle, c'est sympa, non? Hop, tenez. Je vous envoie les assiettes avec gueule. On n'aura jamais autant réussi ce niveau, dis donc. Non, mais c'est bien. Surtout Basto, hop. Ce qu'il apprend, il apprend très vite. Hop là. Bravo. Ça va qu'il y a deux touches à connaître. Hop. Deux pains saucisses coupées. Allez, deux pains saucisses coupées. Hop. Bravo. Cette assiette, il m'en fout. Hop. Le couteau. Le couteau dans la main. Hop. C'est décalé, donc. Hop. Et une saucisse. Il va falloir refaire les saucisses. Hein. D'accord. Ah ouais, là je suis du pain là. Bah le pain là on en a largement. Par contre les saucisses là ça commence à diminuer au niveau d'accord, du stock. D'accord. On va commander des saucisses, on va les cuire. Saucisses. C'est des saucisses à l'ail ou pas? Non, c'est des saucisses à l'ail. Des saucisses à l'ail.
Watch 25 dishes. Ah bah bravo. Ah, une saucisse seulement. Ah bah voilà. Une saucisse seulement. Je veux une saucisse seulement. Ah, ça c'est Chris et Torota qui vient nous faire la livraison. Est-ce qu'il est arrivé en drift? Mais non, c'est là, donne-moi les saucisses, c'est sur le feu. Vas-y, je te laisse gérer les saucisses. Hop. Je suis en cuisson, là. Et toi, tu veux juste un pain saucisse, ok. Je suis à côté, je suis en live, donc... Et un pain. Ah. Hop, un pain saucisse, pardon, ah, attention. Ouais. C'est dur, hop. Il n'y a pas de place. Voilà. Oh, putain, j'envoie la... Par contre, au niveau... Avis Google, ils vont nous mettre zéro hein, à chaque fois que je leur envoie la selle dans la gueule. Mais non. Ah, on a plus d'assiette. On a plus d'assiette sur le comptoir. Le sage, qu'est-ce qu'il fait là? Le sage, là, la plonge, là. J'arrive. Monsieur, vous avez des assiettes. On a plus d'assiette sur le comptoir. C'est terrible. C'est terrible. Saucisse. Oui, saucisse, merci. Saucisse. T'as commandé combien de cartons de saucisse? 3. Donc on en a 30. Non, ça c'est pour vous, voilà. Saucisse, carton de saucisse, pourquoi je continue là, je suis chaud là. Frigo. Attends, hop, et vous... Voilà. C'est quand même plus sympa si vous avez quasiment la commande en même temps. Hein, vas-y. Hein, messieurs, dames. Que je vous envoie dans la gueule. Oh. Voilà. Oh, ah, juste une saucisse. Saucisse. Là, par la digite à toi. Saucisse. Assiette saucisse. Il devrait faire un mode kebab, ça doit être rigolo, là, avec la broche et tout. Là. Bah, tu sais quoi, moi, alors, il y en a plein qui leur suggèrent de rajouter le thé dans les scénarios de bar. Déjà que le café c'était chaud alors. Ouais, mais c'est une bonne idée. Et moi j'ai envie de leur suggérer la crêperie. Ah. La crêperie, mais tu... ça serait une tuerie. Mais tu vas la bouffer ta saucisse toi? Excusez-moi. Le kebab sinon, c'est bien le kebab aussi. Ouais, c'est pas idiot le kebab, mais je pense que c'est des scénarios qui viendront dans les années à venir. Et bouffe, voilà. Putain, je lui ai mis dans la bouche carrément. Ça, comme un nourrisson. Non mais attends, c'est quoi ça? Le client est roi, ouais, il faut leur mettre dans la bouche. Ah non, il faut pas couper les saucisses. Pourquoi je voulais couper les saucisses? Nous avons aussi des clients. Le sage, faut quand même me ramener du pain, le sage, là. Ah, hop. Tu veux du pain? Alors je te ramène du pain. Bon, heureusement qu'il y a deux tables, hein. On est vraiment un petit restaurant. Il y a un petit établissement. Ah, t'as pas vu la pizzeria encore? Bonjour, juste une saucisse. Allez, juste une saucisse. Hop, là, 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 là. Saucisse. Waouh, on joue bien, on a plus de 1000 secondes, compteur. C'est très bon. Saucisse and bread, allez. Très bien, on a plus d'un quart d'heure de jeu. Oh pardon. C'est pas grave. À la volée. Mon petit oiseau, après ça, voler. Après ça, à la volette. Après ça, à la volette. Un saucisse, hop là. Waouh, le client il est plus de joie. Hop là, tiens. Oh putain. Bonjour, vous voulez quoi? Ah, deux pains saucisses, d'accord. Hop, pain saucisse. Hop, non. Wow, attention le pain. Attention le pain. Hop, attention le pain. Tu penses que c'est par terre, ça marche aussi. Ouais. Oh merde, je lui ai envoyé sur la gueule. Attends, tiens. Vous inquiétez pas, monsieur, je souffle dessus, il y a plus de soucis. Sur les plaques et ça recuit. Ah oui, attention, ça couvre des parts de feu, ça. Ah oui. Hop. Un pain. Et. Une saucisse. Hop. Wouh, là, c'est à la volée. Allez, voilà. Elle a volé. Elle a volé où, là, c'est. Ah, elle a volé ici. Bonjour, messieurs, dames, vous voulez quoi? Une saucisse et. Hot dog, ok. Là. Saucisse, là, là. Non, j'ai dit saucisse, c'est voilà. Hop. Voilà, oh, et. Oh, j'ai entendu le cram du client. Il a failli me buter la main. Oh, oui.
Oui, hop, c'est ça. Le couteau par terre. Dans la main, il bouffe le bras, il te reste plus qu'il est à plomb sur les os. Oh, mon Dieu. Bah, t'as déjà qu'un bras déjà, hein. C'est pas possible. Oui, c'est ça, il a bouffé les muscles et la graisse. Oh, c'est dégueu. Ah! Hop, tiens. Bonjour, un pain saucisse et un hot dog. Alors, faut recommander, je pense. NJ est devenu accro au supermarché ensemble. Je crois qu'on va se retrouver. Non, mais ils jouent avec une lunette, je pense. Ah, ils ont raison. Oui, en direct, ouais, c'est plus reposant pour eux, je comprends. Non, je joue pas avec. Je suis pas en train de jouer avec Edgy. Ah, mais il est là, il voit un nouveau fantôme nous parle, dis donc. Il compte les points. Il sort de où, c'est C'est le chef cuistot suprême, Nayone. On est viré si on est mal. Il supervise, il est tout en haut. On se voit pas, il n'entend rien. Oh, mais ils veulent pas manger parce que le pain est en dessous. Bah, le pain est collé en dessous de l'assiette. J'arrive pas à le décoller. Ils veulent pas. Ils veulent pas le décoller. Ah voilà. Hop. Attends, prends la saucisse. Voilà. Elle est où la saucisse? Elle est où la saucisse? Dans le vide. Donne-moi une saucisse. Saucisse. Oui, une saucisse. Merci. Hop. Mais c'est infernal. C'est pas évident. Et c'est un scénario facile. J'ai le poignet cassé. Allez, tenez. J'avais le poignet cassé. Canac-tarpien Mais le tâche, qu'est-ce que tu fous là? J'ai fait le transport cuisinier, je fais comment là? Mais hé, je t'ai fait la livraison. Un pain saucisse. Regarde, je peux plus avancer à la cuisine, moi. Un pain saucisse et un pain saucisse. Regarde, okay. Je fais comment, moi? Oh, attends, j'ai plus. Il y a trop de cartons encore. Hop. Je vais commencer par le pain. Oui, vas-y. Hop. Un pain saucisse et un deuxième pain saucisse. Ok, tenez. Et un deuxième pain saucisse. Un pain. Et une saucisse. Un saucisse, le pain saucisse, le pain. Puis pas le pain saucisse. Voilà. Ah, bravo, encore un client satisfait. Ah ouais, bon, deux saucisses. Oula. Oula. Chez Barbeuf. C'est pour la terre ou merguez? Bon, merguez, je suis plus merguez. Ah. Et pas de chipolata aux herbes, un peu comme ça? Ah non, chipolata nature. Moi. Ouais. Non, le merguez, j'adore. Hop. Mais qui pique bien ou des piques ou qui pique un peu? Ouais, qui dit bien. Merde, mais non, j'ai pas eu l'interface, au secours. Oula, il y a eu un saut de... Tiens, je te mets ton carton de saucisse juste là. Attends, et ton carton, et ton deuxième carton de saucisse ici. Voilà. Oh, j'ai eu un... On a plus de clients? Ah si, ça y est. Ouais. Bonjour monsieur, dame, vous voulez quoi? Pain saucisse et hot dog, allez. Pain saucisse et hot dog. Wow. Bah on a failli foutre le feu. Hop, pain saucisse, il est où? Pain saucisse, il est là. Pain saucisse. Il est là. Je sais pas. Sur le côté gauche, sur le côté gauche. Ah. Ouais, ça donnera un goût au hot dog, c'est bon. Je le donne au client. Avec les ceinteurs plus cramés, parfait. C'est une sorte de chantilly, près de quoi dire. Super. J'ai perdu mon couteau, j'ai perdu ma saucisse, j'ai tout perdu. Hop, voilà. Mais par contre, cette session, elle est interminable. Oui, non, elle est pas illimitée. Elle est... C'est parce qu'on joue bien. Il nous reste 1600 secondes, c'est énorme. On joue comme des merdes, on aura déjà perdu. Mais on a bientôt atteint les objectifs. Il faut qu'on gagne encore 56$. Non, ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool. On jette une boîte de carton en poubelle et on aura gagné. Allez, courage. Ah, c'est des, objectifs simples. Hein. Jeter un carton à la poubelle et vous avez gagné. Allez. Mais c'en est un. C'est les critères de victoire. Fin de la journée. Allez. C'est ça. Et
alors la dernière condition qu'on n'a pas remplie pour gagner la partie, c'est gagner 56$. Allez, zouzouzouzou. Faut qu'on gagne 56$. Comment ça? Il faut qu'on vende suffisamment pour... voilà. Et on aura gagné. Ah mais comment ça, on n'a pas fait 56$ depuis le début de la journée, là? Si, plus que ça. Mais il ne manque que 56$. Ah, d'accord. Et on a remporté bon, 49$. On est presque 49$. Oui, c'est un multiple par 7. Donc, c'est commande. Hop. Une saucisse et un hot dog. Allez, saucisse, hot dog. Hop, on une croit, saucisse. On peut le faire. Une saucisse. Ah, bonjour messieurs, dames. Je prends les commandes. Hop, il y a les saucisse. Il y a trois choix. Et oh, vous avez saucisse pleine et tout. Et le hot dog. Une chenille de bouffe. Ça fait peur. Non, au moins, il y a du stock. Hein. Comme ça, on n'a pas à attendre. Ah c'est oui, moins, c'est sérieux. Mince, je suis sorti dehors, là, sans vouloir. Attends, le monsieur il voulait juste une saucisse. Ah mon dog, tu m'as pris mon dog. Oui, je suis désolé parce que c'était une commande. C'était pour le client de gauche qui est arrivé avant. Ah, pardon, tu as raison. C'est bien, on voit que tu fais dans le commerce en vrai, tu fais dans l'ordre, c'est important. Tenez, monsieur. Un carton. Oui. Voilà. Oui, merci pour le carton. Bon, pardon. Ah, j'ai le poignet retourné. Voilà. Du calin coup, calin. Vous voulez un pain saucisse. Lui, il veut un pain saucisse. Le hot dog, c'est la saucisse à l'intérieur. Le pain saucisse, c'est juste pain et saucisse. Voilà, allez-y, préparez un plat. Hop là. Oh, voilà. Voilà. On va se saucifier dans les anciens sandwichs maintenant. Oh non, le sérieux, je ne fais pas de saucisse, j'en ai une telle, on est à côté là. Oui, c'est bien. Bon. Oh, il a. Oh, l'enfoiré, je lui ai donné juste le pain, il a pris que 4$. Enfoiré. Bonjour messieurs dames, vous voulez juste une tout saucisse dans les assiettes et tout là. Les assiettes, le sage, les assiettes. Une oui, saucisse. Oui, oui, j'arrive. Avec merci. Un pain saucisse. On s'en charge. Un pain saucisse. Oui, attention. Les assiettes, elles arrivent. Un pain saucisse. Voilà, les hop, parfait. C'est pas d'assiettes, on peut pas servir, c'est pas d'assiettes. C'est ça. Elles arrivent, les assiettes, elles arrivent. Un pain saucisse. Oh, oh putain. Waouh, le couteau, ça fait peur. La giclée du couteau. Je vais finir par tuer des clients ici. C'est ça. Voilà. Voilà, tiens. Oh merde. On est presque. Oui. Il faut qu'on gagne encore 33$. Hop. Oh, ah oui, et pépé les assiettes, parce que sinon ils vont râler après. Oui. Tiens, un carton. Une saucisse. Et... Une saucisse. Merci. Saucisse. Ah non, hop. Ça c'est un truc. Vas-y. Et un pain saucisse. Un pain saucisse. Une saucisse. Un pain saucisse. Et saucette aussi, non? Ah, le cuisinier qui ne fait pas le pain saucisse. Je prends les commandes. Hop, quoi, ça, il y a pas de saucisse, il y a pas de pain. C'est une pain saucisse. Moi, je fais le service. Allez, hop. Bonjour, messieurs, dames. Un hot dog et un pain saucisse. Un pain saucisse. Hop. Un pain saucisse. C'est pour vous le pain saucisse. Voici monsieur. Le hot dog. Un hot dog s'il vous plaît. Non, hot dog, il faut l'ouvrir. Putain, où est le couteau? L'ouvrir. Voilà. Hop. C'est le client qui en a pas voulu. Eh, pourquoi j'ai une saucisse qui a volé sur moi? Je ne sais pas. Hop, tenez, monsieur. Oh, je lui ai envoyé dans la gueule. Tiens. Bonjour, messieurs, dames, vous voulez quoi? Oh, vous avez changé de couleur. Waouh! Bon. deux saucisses. Juste saucisse. Il nous reste à gagner voilà. $16, on va le faire. Putain. Il manque 16 dollars, on a encore 2000 secondes. Deux, trois repas, c'est bon. Trois repas. Ouais, vas-y. Hop, saucisse. Voilà. Non mais, j'en ai marre toujours. Oh, les assiettes. Elles sont où les assiettes? Elles sont où les assiettes? C'est quoi ce bordel? Hop, tenez, monsieur. Il y a des objets qui giclent partout dans le comptoir, faut faire gaffe. On a un restaurant hanté, ah oui, mais en carré. Hanté, en
J'adore les ça m'a brioches. Ah, c'est mal lavé, ça. Là, ça, là. Comment ça, c'est mal lavé. C'est que ça. Hop, les assiettes, elles sont toutes par terre. On a un rat qui est juste à côté du pied de la rat. Oh, tiens. Ouch. Pastor, ça a ramassé le rat. Ouf. On peut ramasser un rat. Attends, je vais le foutre dehors, le pauvre. Casse-toi, voilà, allez, au revoir. Bonjour, messieurs, dames. Oui, il vient de porter un rat à main nue, il devait vous servir. Vous inquiétez pas. Torota vient de m'écrire dans le chat comme quoi je serai invité à jouer à Minecraft car il me réserve une surprise dans son domaine. Ah, ah merci, bonjour, Torota. Vous avez ici ces mecs. Non, mais. Mon assiette. Il y a un problème de collision et de pique. Mais non, mais ça va pas tout par terre. Attends, les couteaux sont là. Là, mais. Le pain est marre. Ah, le pain giclé, j'ai dans la gueule. Voilà. S'il vous plaît, monsieur. D'accord, Torota pour Minecraft. Oh, j'en ferai un peu dans le week-end, ah. Je sais pas quand. Peut-être demain matin. Le saucisse, hein, Twinsen, s'il te plaît, le saucisse. J'en ai. Enfin, j'essaie d'en avoir une. J'attendrai que tu sois là pour commenter en direct, Torota, quand je vais dans ma. Attends, pas. Non. Mais ça se passe sûrement. Mais demain, c'était pour moi, c'était pour moi. Il faut qu'on gagne encore $12 de gain. On n'est plus organisé. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une assiette sale qui a giclé, mais c'était un accident. Ça. Elle est où cette nunuche assiette? Ça, j'ai lave mal de ça, j'ai lave mal, il peut pas bah son, oui, son travail qui font. Bonjour. Un hot dog, s'il vous plaît, un hot dog. Ah bah, allez-y. Hop, il est où le couteau? Il est où le coutal? Le coutal. Il est où le coutal? Allez. Un coutal des couteaux. Ah, allez. Merci. Allez. Tiens. Allez. Oh. Hop, et hop. Et normalement, là, on devrait être bon sur la commande. Ouais, et voilà. Tous les objectifs ont été remplis. Nous avons. Mais on a fait que 3 étoiles. 3 étoiles. Il faut pas déconner là. Bon, on est nuls. Bravo. Ça va être l'heure de la pause déjeuner en vrai. Ouais. Bravo. Bah, si vous voulez, on continuera ce soir si vous aimez le jeu. J'ai vu un des avis. Il disait qu'il y avait des rats dans le restaurant. C'est vrai? Oh merde. Oui. Oh les boules. Parce qu'il y a les ratings, les avis Google. Ouais. C'est pour ça qu'on a eu que 3 étoiles. Ouais, c'est vrai. Bien joué, bravo. On se le refait tout à l'heure, si vous voulez. Alors, c'est bon. On va marquer une pause une bonne demi-heure. Je vais vous mettre des clips à gogo. Et on fait le point à 21h dans le chat pour ceux qui veulent rejouer en ma compagnie. N'oubliez pas qu'à 21h aussi, il y a Nash qui va reprendre ses directs. Alors, je sais pas ce que va vous proposer Nash sur son antenne. Mais n'hésitez comment pas à le jeu des petits chats. Ah, il continue, il a pas fini le jeu des chats. Je crois pas. Donc n'hésitez pas. Par contre, on est d'accord que ce jeu, il ne se joue qu'à 4 et que ce n'est que le supermarché qui peut le jouer à plusieurs. À 16, le supermarché. Oui, c'est ça. Ouais. Tu as tout compris. Exactement. Okay. T'imagines le bordel dans le scénario exigu qu'on a fait quand même, Basto, si on était plus que 4 dans ce petit resto. Eh ben, au moins, on serait. Moi, ça serait oui, mais là, faut être la pizzeria ou dans les gros restos. Hein. Oui, il y a d'autres scénarios, mais on les fera tous. On fera tourner. Et puis, je me réjouis à l'idée qu'il y ait des scénarios dans le futur développés par les équipes, enfin, par l'équipe de développement. J'en suis sûr. Ils vont rajouter des trucs. C'est trop bien. Ils ont un bon filon, là, le jeu. Il est